Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Yves Dufour. Salut mon ami. Salut Daniel. Tu es le... serrons-nous la main, tiens, serrons-nous la pince. Tu es le premier invité à avoir l'honneur de revenir pour une seconde fois. C'est vrai. Si c'est comme à Cannes, il y a des doubles palmes, mais tu es double palmé de Vive l'Europe. Eh oui. Alors, tes émotions. Ah bah écoute, je suis très ému. Alors aujourd'hui, en plus, je suis très content de t'inviter pour ce bouquin parce que... À dire vrai, la première fois, je t'avais invité pour des livres qui avaient déjà un certain temps. Tu les avais sortis 2 ou 3 ans auparavant. Alors que là, on est quand même plus dans l'actualité. C'est L'Ombre au sommet. C'est un roman qui est sorti quand, en fait, exactement ? Début de l'année, en fait, février, je crois. D'accord. Février 2017. Février 2017. Ouais. D'accord. Alors, je vais essayer de résumer l'histoire du livre. En tout cas, le pitch, en quelque sorte. Si je me trompe, n'hésite pas à m'interrompre. Alors, L'Ombre au sommet raconte l'histoire d'un jeune homme qui a 27-28 ans, presque trentenaire, qui est nationaliste, c'est un patriote, il aime la France, et il se trouve que le livre commence comme ça, il a un entretien d'embauche pour un emploi dans le gouvernement, c'est-à-dire c'est pour entrer dans le ministère de la Défense, c'est ça ? Alors c'est, c'est une institution que j'ai inventée, qui n'existe pas, oui. Et qui va être attachée de plus en plus à la Défense. Donc en fait, il rentre un peu dans les arcanes du pouvoir, comme ça, dès le début. Et alors, l'attention dramatique est dans le fait que sa petite amie, auquel il est très attaché, est également une nationaliste, mais qui elle est militante. Hein. Et donc, il y a un peu un conflit, c'est-à-dire qu'il travaille un peu pour l'ennemi, lui, en quelque sorte. Il travaille pour l'ennemi, il est un peu infiltré à l'intérieur de ce système. Et petit à petit, il y a une relation, c'est ça, je trouve, on en a parlé tout à l'heure sur quand on était dehors, mais en lui-même, il y a un peu un duel. À la fois, il est toujours en accord avec ses idées souverainistes et francophiles. Et anti-mondialiste, en fait. Anti-mondialiste. Et en même temps, en fréquentant cette haute société, cette élite, il se rend compte qu'ils ont des qualités et il se fait un petit peu... Il est un petit peu séduit par ce monde-là, en quelque sorte. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ont des qualités humaines, malgré tout. Ouais. Même si ce sont des salauds pour la société, ce sont humainement des gens avec qui on peut discuter, qui ont de la culture, qui sont intéressants. Oui. Et donc forcément, il se laisse aussi séduire par ce milieu. En plus, il y a de l'argent, donc c'est très facile de, de vivre très correctement. Oui, il y a ce paradoxe, c'est marrant, je ne m'étais jamais dit ça, mais ce côté où, finalement, quand tu es amoureux de la France, tu es amoureux, par exemple, de sa gastronomie, et tous ces salauds-là, Ils se gavent. Ils mangent super bien, ils mangent dans un resto. Eux, ils vont pas au McDonald's. Ils vont pas au McDonald's, ils mangent dans un resto 3 étoiles, c'est de la bonne bouffe. Donc finalement, il a accès à ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné un peu l'idée d'un tel récit ? Comme ça, tu t'es réveillé un matin, tu dis, tiens, cette histoire. Hein. Alors écoute, pour la petite histoire, ouais. J'étais dans un train entre Paris et Toulouse, ouais. Et il y avait, je sais plus combien, 7 heures de train. Et je venais de terminer la patte du petit article sur Léon Degrelle, ouais. Donc en 2014, février 2014. Et donc sur le trajet du retour, j'avais plus rien à faire, quoi. J'avais fini un peu en avance le travail que je voulais faire dans le train. Et donc j'avais le papier, les crayons, et j'ai imaginé ce scénario, c'est venu tout seul. Ah oui. Ça s'est imposé à moi, j'ai eu l'idée de la trame du scénario. Alors après j'ai englobé avec tout le thème de l'ingénierie sociale, etc., toutes les références qui vont se greffer dessus. Mais le scénario de base était déjà là dans mon esprit, et il n'a pas tellement bougé depuis. D'accord. Voilà, donc c'est venu spontanément, quoi. Des fois on a des idées comme On dit souvent les écrivains, quand on leur demande la question, on pose la question, mais d'où vous vient cette idée, justement, ouais. Ils disent pas qu'ils ont travaillé, ils ont fait des heures de recherche pour essayer de trouver un scénario. Oui. Évidemment, ils ont travaillé sur les détails, mais sur le scénario lui-même, ils ont une idée intuitivement. C'est imposé à eux. Le premier jet, en fait, comme ça, c'est hop, ça vient. Les gens demandent comment on passe du 0 au 1, mais en fait, on ne sait pas. En fait. Moi qui ai eu beaucoup d'interviews d'écrivains, de romanciers notamment, j'ai souvent entendu ça, mais là, je l'ai vécu. Quoi. J'en ai eu l'expérience. Voilà. Ouais. C'est marrant. Et alors, donc, tu as eu cette idée en 2014 et tu l'as mis un peu dans un coin de ta tête. Alors, j'ai commencé assez vite, parce que comme je venais de finir le degré, justement, moi, je reste pas sans rien faire. Ouais. Donc, dès le mois de mars, je me suis mis dessus. Oui. Mais ça a pris 2 ans. Je l'ai terminé en fait en. Ça a pris 2 ans et demi quasiment. Ah, parce oui. que je l'ai terminé en juin ou juillet 2016. D'accord. Voilà, donc après, avec l'éditeur, la couverture, l'impression, etc., la diffusion. Oui, c'est le temps que ça prend. Voilà, tu vois, entre juin 2016 et février 2017, il y a eu un peu de retard. Bon, voilà.
Oui, finalement, il y a... Mais quand même 2 ans et demi de travail, quoi. Oui, s'il n'y a pas eu de publication pendant 2 ou 3 ans, c'est que tu vas travailler à ce roman en mais plus ouais. de ta vie personnelle. Et donc il y avait le côté romanesque lui-même, ouais. mais il y a aussi, j'ai évidemment travaillé sur toutes les références que je Ouais. cite, notamment en ingénierie sociale, donc ça a demandé beaucoup de travail de lecture, Oui, même si des voilà. fois, au final, il y a 2 mots qui sont cités, Oui. pour moi, je ne les ai pas cités Oui, au hasard, oui, quoi. Il y a un oui. travail derrière. Oui, t'as tendance à te. Lorsque tu as un thème pour un livre, tu as tendance à lire des ouvrages qui sont dans ce corpus Ah un bah peu oui, idéologique, quoi. énormément. Et aussi bien des apologètes que des dénonciateurs de ces Oui, mouvements-là. Hein, oui, oui. Oui, finalement, ce roman met en scène des personnages très érudits, hein, que ce soit le couple, le héros et sa copine, ou bien l'élite qu'ils fréquentent. Donc c'est un peu normal que dans leur bouche, c'est pas des gens communs, quoi. C'est voilà. un peu normal que dans leur bouche, il y ait beaucoup de références. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du name dropping pour se faire voir, Mais tu vois, c'est oui, important de le signaler, alors quoi. après, il y a aussi évidemment, ça sert de référence pour renvoyer le lecteur Oui, à voilà, plus de précision sur chaque sujet. c'est des sortes de notes de bas de page, mais C'est ça, incorporées au parce que je l'ai récit. fait sous forme de roman, ça aurait pu ne pas être romancé. Cette histoire Oui, d'ingénierie sociale, dans tous les cas, je l'aurais fait. tout à fait, ouais, tout Mais à fait. bon, Ouais. cette T'as choisi la forme-là, forme là. comme elle m'est venue, du coup, j'ai développé le scénario qui m'est venu en Oui, tête, quoi. mais je crois que tu as probablement raison, parce qu'en plus, on vit une époque où les gens sont quand même plus séduits par la narration. Oui, alors c'est aussi plus agréable, Oui, et voilà, puis ouais, il y a ça moins ce peut côté diffuser. Ouais. universitaire Et puis où. je peux toucher un public un peu plus large, en tout cas, Oui, j'espère. oui, oui. Bah alors justement, ça correspondait à ma question d'après. Je voulais savoir si, dans l'esprit, tu as voulu l'écrire pour le dessiner aux nationalistes, ou bien pas spécialement, tu n'avais pas ça en Ah non, tête non, parce mais que... j'écris jamais pour un D'accord. public. Ciblé. Ah ouais, j'écris pour tout le Ouais. monde. Et tu n'as pas peur que... Parce qu'il y a quand même pas mal de sujets qui sont traités dans le livre, qui correspondent à des problématiques qu'on aborde souvent dans le milieu nationaliste. T'as pas peur que ça paraisse un peu ésotérique, un peu à ceux qui ne sont Bon, pas du l'éditeur m'avait milieu? fait quelques réflexions sur le sujet, j'ai Ouais. corrigé 2-3 trucs en essayant soit d'étoffer quand ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe pour quelqu'un de normal, on va dire, ou D'accord. alors j'ai supprimé quand ça n'a effectivement pas d'intérêt, Oui, mais non, globalement, ça s'adresse à tout le monde. Oui, tu penses que quelqu'un qui n'est pas dans nos sphères peut quand Bah, même en trouver tout son cas, compte? l'idéal c'est qu'il ait déjà lu mes 2 livres avant, les 2 autres livres, C'est donc sûr, ça c'est se complète l'idéal, bien. C'est vrai que ça se voilà. complète bien. C'est la première fois que tu écris une fiction, je crois. Oui. Comment tu t'es senti dans l'exercice de la fiction? Tu t'es senti à l'aise Mais c'est très compliqué parce que, en termes de travail, quand je travaillais sur les essais, le plan était tracé, donc je savais où j'allais. Par exemple, c'est pas ce soir je rentre chez moi, j'ai 2 heures pour travailler, mettons, je vais prendre tel sujet, je vais écrire, et puis en 2 heures, je sais que c'est fait. Le roman, c'est pas ça. Parce Oui. que tu as déjà plusieurs heures pour te mettre dans la peau. En plus, c'est écrit à la première personne. C'est vraiment, c'est un jeu, hein. Madame Bovary, c'est moi, il faut se mettre dans la peau, dans le contexte du Oui, personnage pour pas raconter n'importe quoi. Donc tu es obligé de... Peut-être qu'il y a des gens à qui ça vient tout seul, mais moi il me fallait quand même quelques heures pour me mettre dans l'ambiance. Non, c'est un travail Et le supplémentaire, problème c'est c'est... qu'au bout de quelques heures, ben, il faut que tu ailles te coucher, ça se trouve, parce que tu viens de faire une journée de travail, le lendemain il faut te relever pour le boulot. Je connais ça. Et or c'est à ce moment-là que tu es prêt, et Oui. donc c'est là que tu vas commencer. Après quelques heures, tu vas pouvoir commencer. C'est très Donc épuisant c'est parce très long, c'est pour ça que... que c'est très En long. fait, on est un peu esclave de notre imagination. Lorsqu'on en a, eh bien, il faut qu'on écrive le plus possible. Et quand on n'en a pas, mais ça vient quand ça vient, en fait. Hein, Ouais, donc il faut que le lecteur puisse se sentir aussi dans l'ambiance. Donc ça demande du travail, quoi. Donc en plus c'est la première fois, donc je connaissais pas. Peut-être que la prochaine, ce sera plus facile. Je pense pas, hein. J'ai pas Non, je l'intention pense... d'écrire de roman parce que j'ai pas d'idée pour l'instant, donc il n'y a pas de D'accord. raison. D'accord, Hein, d'accord. c'est pas un objectif en soi. Hein. Oui. Mais donc, c'est l'écriture de pensée comme l'essai, l'analyse et le roman, c'est deux exercices différents mais qui demandent tout autant de travail l'un de l'autre. L'un peut-être en rigueur, c'est-à-dire évidemment quand tu fais un travail, il faut référencer, donner Oui. Mais toutes là, les tu fais sources, les deux. etc. Parce que dans tous les cas, tout ce travail est fait, plus Ouais. le travail de narration. Oui, tout à fait, c'est-à-dire rendre crédibles les interventions des personnages. Quand tu fais parler une femme, il faut que ça ressemble à ce qu'une femme Mais raconte. Enfin ouais. bon, c'est le principe du roman, quoi. Et oui. Je crois que tu l'avais dit, je crois que c'est dans l'émission avec Romain Guérin où on Oui. disait quand j'écris un petit poème, chaque mot il pesait. Oui, bien sûr. Et donc je peux passer une soirée sur un mot ou deux. Oui, parce qu'en Mais c'est plus, pareil. dans le roman, il y a le... Pareil pour Non moi. pas qu'on puisse pas mettre de style dans un bouquin de philosophie, mais enfin, ça a moins d'importance que dans un roman où c'est En quand même plus, ouais. très important, quoi. Alors... Puis il faut qu'on puisse voir aussi dans les dialogues, par exemple, la différence Oui, bien qui sûr. parle. Oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Il faut pas qu'un La homme s'exprime différence de comme... personnalité, etc. Exactement. Et quelle est la part de toi-même que tu as mis dans le livre? On est toujours un peu dans ces personnages, mais en même temps ces personnages, mais Ouais. toi tu... Alors il y a deux.
Ton personnage principal s'appelle Fabien de Guise. Alors, oui. Alors à quel pourcentage es-tu Fabien de Guise? Ouais, alors ne serait-ce que le nom, bon, je vais pas détailler mon état civil, mais d'accord. Ça aurait pu être mon état civil, quoi. D'accord. Fabien de Guise, bon. En termes de parcours, donc on dit le récit commence par un entretien d'embauche. Oui. Il vient de finir ses études, des études qui ont duré. Hein, c'est pour ça qu'il a plus de 25 ans. Il a fait un peu de tout. Et moi aussi, c'est-à-dire dans mes études, j'ai fait à la fois une école d'ingénieur, donc quelque chose de très technique, avec aussi bien, donc évidemment, quelque chose de technique, plus quelque chose de, en termes de management, tu vois, tu fais forcément du droit, tu vas faire de la marketing, tu vas faire de la compta, tu vas faire, voilà. Et puis, des études de philosophie, d'ailleurs, un peu comme toi. Et donc, du coup, les deux se mélangent, sciences dures, sciences humaines. Voilà, donc ça c'est mon parcours et c'est bon, pas aussi poussé. Hein. Lui il a je sais pas combien de master, voilà, oui. Il termine à 27 ans. Non, mais c'est un personnage, c'est pas trop intégralement, voilà. Bien sûr. Mais il y a cette idée d'éclectisme déjà au niveau des études qui va évidemment se retrouver dans le travail et puis dans ses références ensuite. Oui, voilà, voilà. Parce que moi qui te connais un peu, je sais que quand j'ai vu certaines références, je me suis rappelé des conversations qu'on avait eues. Ouais. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Et puis le deuxième. C'est les références qu'il peut avoir en termes de littérature, en termes de musique. Moi-même, j'étais musicien pendant longtemps. Là, j'en fais plus actuellement, mais parce que j'ai pas le temps, mais j'en ferai dès que j'aurai du temps. Voilà, donc, donc toutes les références là, artistiques, etc., musicales, littéraires, même parfois cinématographiques ou autres, je les ai mis aussi dans le personnage. Bah, parce que c'est naturel, comme c'est quelque chose que je connais, je peux m'adapter plus facilement. Qu'est-ce que tu pourrais dire de la psychologie de ce personnage? Il est dans une situation un peu étrange, il est un peu le cul entre deux chaises, excuse-moi l'expression. Alors c'est quelqu'un de très curieux, qui a, donc, comme il a évidemment une large culture, à la fois éclectique et profonde quand même, il est avant tout curieux. Ouais. Alors on peut avoir l'impression parfois en lisant en voyant ses réactions face à ce qui lui arrive, qu'il est froid, il peut être distant et froid. Il a malgré tout une histoire d'amour qui marche bien, mais il peut rester quelqu'un de froid. Et alors moi je suis pas comme ça dans le livre, mais en tout cas dans la vraie vie. Mais le héros donc a une, il est vraiment poussé par la connaissance. Il va aller au bout. Il va aller au bout des choses, quels que soient les sacrifices, quels que soient les dangers. Il va aller au bout. C'est pas forcément mon cas. Bien sûr, la comparaison s'arrête là. Hein. Ouais. C'était vraiment pas là pour donner un peu une idée de. Voilà, mais donc sa psychologie, c'est celle-ci. Quoi. Ouais. Donc ce qui permet de faire une histoire. Parce qu'on n'est pas tous des héros, il faut un héros pour faire une histoire. Bien sûr. Mais, par ailleurs. Enfin, je sais pas si t'as ressenti ça comme ça. C'est un héros normalement. Sinon, c'est que j'ai raté mon coup. Quoi. Ah oui, bah c'est comme ça qu'on le ressent. Ouais, c'est quelqu'un qui tient le coup. Il y a une progression justement de. Tu sais, c'est le... Tous les films d'aventure, par exemple, sont comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, le héros n'a même pas conscience de son propre potentiel. C'est un roman initiatique. Ouais, exactement. Et finalement, petit à petit, il prend conscience de ses capacités, c'est exactement en fait. Ça. C'est un roman initiatique dont la trame de fond, l'ingénierie sociale. C'est comme ça que je le présenterai en deux. D'accord. Bah, c'est bien d'avoir ce résumé-là, je pense, correspond bien à ce que j'ai ressenti à la lecture, en tout cas. Quoi. Et en plus... avant qu'il lui arrive des choses assez rocambolesques. Moi, ce que j'aime, c'est sa nature. C'est quelqu'un d'assez optimiste, en fait. C'est plutôt quelqu'un de positif, qui aime la vie. Parce qu'il ne faut pas non plus démoraliser. Les gens, avec quelqu'un qui est démoralisé, de toute façon, il n'aurait pas fait tout ça. Non, parce qu'il se serait retranché assez vite. Voilà, il serait resté tranquille, quoi. Alors, bien sûr, je ne vais pas raconter l'entièreté des bouquins, sinon ça n'a aucun intérêt. Il y a une forme de suspense. Suspense, c'est presque un thriller, quelquefois. Voilà, oui, ça mélange différents genres. C'est pas seulement un bouquin d'idées, c'est aussi un bouquin de suspense. Cela étant dit, il faut dire qu'il commence à y avoir un premier nœud un peu dramatique quand, en fait, il grimpe les échelons si bien qu'à un moment donné, on ne lui propose pas, on lui impose de devenir franc-maçon. Oui. Donc ça, c'était une scène... décrit un peu le rituel maçonnique, bon, que moi je connaissais mais que tout le monde ne connaît pas, qui est très, bien sûr, étrange, hein, faut très symbolique aussi, très particulier. D'ailleurs, il y a un moment, je l'ai noté, cette expression qu'on dit, je vais retrouver ça, tu sais, parfois, c'est pas qu'on dit plaise à Dieu, et les personnages disent plaise au diable, quelque chose comme ça, faut que je retrouve. À un moment donné, au lieu de mettre Dieu, tu mets diable, ça donne l'impression qu'en fait on est à un banquet sataniste. Donc en fait, parce que là pour l'instant j'ai pas dit ma question, est-ce que tu crois, comment dirais-je, est-ce que c'était un peu un passage oblige d'écrivain qui veut faire un moment un peu ésotérique, ou est-ce que tu penses qu'à ce degré-là
de société, on est forcé de devenir un franc-maçon. Alors il y a deux niveaux. Ouais. Le niveau ésotérique, le Oui. franc-mac de base, moi j'y crois pas. Peut-être qu'il y a 200 ans, oui, mais aujourd'hui, j'y crois pas. Que veux-tu dire? Tu veux dire qu'ils ne C'est-à-dire croient pas en la... au caractère spirituel de ouais, leur... C'est juste du c'est que réseautage, de quoi. l'affairisme, je D'accord, pense, hein. ok. Bon, je suis Pour d'accord avec toi. Oui, 95% des maçons, tu vois, il y a je sais pas combien, il y a 140 000 maçons en oui, France à peu oui. près. Oui, oui. Il y a Donc, à la... part les loges égyptiennes où ça T'imagines, brille en... 140 000, mais la grande majorité, Oui. ils s'amusent à se déguiser ou à faire des Oui. petits rituels Mais c'est un intéressant peu que tu dis ça. bizarres, ils n'y croient pas Je vraiment. partage ton avis, je pense que Mais c'est une... par contre, il y a Oui. d'autres groupes qui, eux, font vraiment dans l'ésotérisme occultiste, on va dire, avec D'accord. des vraies sociétés secrètes, Oui. à la Lovecraft, quoi, hein, c'est-à-dire... Oui, d'ailleurs, tu laisses entendre que finalement, beaucoup de nationalistes ont mis la maçonnerie au dernier degré de satanisme, alors que dans le roman, tu dis que finalement, tu Alors c'est banalises presque un peu oui, ça, mais oui, c'est-à-dire pourquoi? c'est la Parce que condition oui, nécessaire, mais non alors suffisante. c'est pas justement, c'est même pas nécessaire par rapport à l'État, Oui. mais c'est nécessaire pour aller plus loin. Oui, Mais t'es pas voilà. obligé d'y aller. D'accord, À ouais. ce niveau-là, s'il était resté, s'il était destiné, parce que comme tu l'as dit, c'est pas toi qui décides, la franc-maçonnerie, tu es coopté. Oui. Donc c'est parce qu'on veut que tu y rentres. C'est parce que tu as un intérêt pour les autres. Pourquoi tu as un intérêt? C'est pas parce que tu as un poste. C'est parce qu'on va te mettre à un poste. Oui. Donc tu vas monter. Et c'est en montant. Et en étant maçon, que tu vas pouvoir être intéressant en retour. Oui. Donc, du coup, c'est pas la finalité Voilà, de ouais. l'État, c'est la marche vers autre chose. Et Et ça... autre chose, Oui. eh ben, donc des petits réseaux. Et là, en l'occurrence, bon, je vais pas raconter le reste, mais voilà, ça Oui. sert de marchepied simplement. Oui, voilà, bah, c'est-à-dire qu'après, il accède à d'autres clubs qui sont Voilà, c'est encore plus ça. En fait, il va prestigieux, encore quasiment plus... pas. C'est pour ça qu'il. Peut-être qu'il va une fois ou deux au temple, mais en Oui. fait, il va quasiment pas. Une fois qu'il y est, c'est fini déjà, quoi. Il Oui, passe à autre chose de oui. pire. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, que là j'ai inventé un peu. Bon, il y a peut-être certains trouveront la référence, je la donne pas. D'accord. Référence littéraire des années 80, peut-être certains D'accord. Mais en tout la verront. cas, cette scène où il est intronisé dans le deuxième club, vous verrez, il y a un moment très important qui, à la lecture, on se dit, mais est-ce qu'il a vraiment bien écrit ça? Et en fait, Ah. oui. Et oui, non, mais j'ai tout de suite compris qu'est-ce que ça Ah, c'est impliquait, vrai, mais ouais. ça a vraiment fait travailler mon imaginaire. Je me suis dit, surtout qu'à ce moment-là, personne ne se rende pas compte, c'est ça qui est beau en fait. Cela dit, ce que je voulais dire sur la maçonnerie, c'est que. Ah oui, là, je vais retrouver ma question. Comment tu expliques que les mecs qui l'emploient l'aient choisi lui, en dépit du fait qu'ils savent que c'est quelqu'un qui a des idées patriotes Alors déjà, ils s'épanchent pas tellement. Ils le Oui. savent uniquement par ses relations. Parce qu'il y a une enquête des renseignements, ce qu'on appelait les renseignements généraux de la sécurité intérieure, Oui. donc des services secrets. Ils voient quelles sont ses relations, donc ses amis, Oui. et notamment sa petite amie. Et là, ils peuvent dire, attention, il est dans un milieu, on va dire, d'extrême droite. Oui. Mais lui-même ne dit rien, ne fait rien. Oui. Donc ils savent pas vraiment, ils n'ont pas de certitude. Ils savent qu'il côtoie ce milieu, il peut très bien en changer d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, ce qui se fera petit à petit, un petit peu, hein, parce que déjà, il n'aura pas le temps, il n'aura plus le temps de côtoyer ces gens-là. De moins en moins sa petite amie, et encore moins ses amis. Parce que c'est Oui. un travail prenant, hein, je ne peux pas croire. Bien sûr. Donc ça, c'est pas rédhibitoire. Ouais. Tu vois, c'est pas comme s'il avait déjà écrit, je sais pas moi, des pamphlets, tu vois, Oui, c'est sur le vrai. sujet, ou s'il était un militant encarté dans un En parti plus, politique, c'est pas le cas. Et ça l'intéresse pas. il a un tempérament assez modéré, donc tempéré plutôt, donc ils ont pas peur qu'il pète un plomb, etc. Ils ont Ouais, l'impression de et le puis en contrôler, plus, quoi. mais ça c'est un truc qu'on retrouve souvent, hein, tu sais, je crois qu'ils le disent à un moment donné dans la série X-Files aussi, Oui. tu peux tenir tes amis à l'écart, mais garde tes ennemis près de toi. D'accord, ouais. Et ça c'est la Oui, base, c'est c'est la vrai, base, il ouais. faut avoir un œil sur le gars. Alors ça peut être une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire que lui va infiltrer plus ou moins, Exactement, voilà. mais les autres le savent, mais tout en sachant qu'ils vont aussi avoir un œil sur lui, donc c'est ce que j'appelle C'est la vrai qu'au gagne-gagne. début, il y a un enthousiasme de la part du personnage. Je dis finalement, c'est très bien parce que même si ce sont des adversaires, je suis dans leur Voilà, jupe maintenant et je sais ce qu'ils vont faire. il en est conscient, il n'y a pas de Voilà. problème, mais il considère que c'est quand même bénéfique. Et c'est marrant sur le côté enquête, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais ce qui est drôle, c'est qu'au début, on dit au personnage, vous allez sans doute être engagé, mais il y a quand même une enquête qui est faite sur votre compte. Au début, on le prend comme une enquête gouvernementale, alors que finalement, quand il y a le passage maçonnique, on peut prendre aussi ça comme une enquête maçonnique, puisque tu sais que les maçons, pour rentrer dans une Ah oui, maçonnerie, mais on alors, mène une enquête de c'est moralité après. sur Ça, toi. c'est après. C'est pour ça que je te Oui. disais que comme tu n'es pas obligé de le devenir, Oui. à ce niveau-là, ils n'y pensent même pas. Hein, Oui. donc il y a une deuxième, effectivement. Mais là, c'est une. Là, en fait, il n'y a même pas eu d'enquête. Si tu as le parrain, tu vois, en termes de cooptation, le parrain suffisant, qui a un poids suffisant
pour dire aux autres, vous lui mettez la boule blanche, en gros, c'est-à-dire vous l'acceptez, Ouais. les mecs vont le faire. Évidemment, si c'est quelqu'un de moins connu et qui n'est pas déjà dans ces réseaux-là, parce qu'en fait, lui, il y était sans y être, c'est presque une, au bout d'un moment, c'est une régularisation, mais rien de plus. Oui, Alors que, effectivement, si toi, à un moment donné, je sais pas, peut-être pas toi, maintenant c'est mort, mais je sais pas, mais quelqu'un de base a envie d'y aller, ouais. Là, il y aura vraiment une enquête sur ses proches, et puis sur je sais pas, sur sa bibliothèque, par exemple, qu'est-ce qu'il lit, quels sont ses amis. Oui, c'est vrai. Alors, c'est l'occasion d'avoir fait un petit point culturel pour nos, oui, les plus jeunes d'entre nous. Black boulet, vous savez, l'expression black boulet, bah, ça vient de la maçonnerie. Ça vient de là. Parce que traditionnellement, on dit que les maçons, pour estimer que quelqu'un peut rentrer dans leur confrérie, eh bien, ils mettent des votes. Voilà, il y a un vote et ça marche par boule blanche et par boule noire. Et lorsqu'il y a plus de boules noires, eh bien, en fait. C'est pas plus, en fait, t'as droit à une boule noire. Ah, d'accord, oui. C'est une sorte de droit de veto. Dès que t'en as deux, c'est mort. Ah, d'accord. Même si t'as. Bon, je sais plus combien il y en a, mais même si t'as, mettons, 8 boules blanches, 2 boules noires, c'est rédhibitoire. D'accord, s'il y a deux personnes qui ne veulent pas que tu rentres dans la confrérie, tu n'en as droit qu'à, on va dire, unanimité moins 1, quoi. D'accord, d'où l'expression se faire black boulet. Voilà, c'est ça. Alors, il y a aussi un moment où il rencontre. Donc, plus ça va, plus on avance dans les chapitres, plus il rencontre des personnages haut placés. Et il y en a un qui finalement se sent en amitié, en confidence avec lui, et il lui donne toute une théorie de malthusianisme qui amène en fait finalement. Quel est le. On peut expliquer à nos. Je crois que j'ai jamais expliqué dans l'émission, le malthusianisme, c'est l'idée que. Il faut réguler le nombre de gens qui se trouvent sur Terre, le nombre d'habitants sur la Terre. Bouche à nourrir, quoi. Voilà, exactement. Donc, traditionnellement, c'est vrai qu'on prête aux francs-maçons. Et trop de citoyens à diriger, ça aussi. Aussi c'est pas que les nourrir, il faut les occuper. Bien sûr. Mmh. Oui. Le problème est là, surtout parce que leur donner à manger, c'est pas très grave. Mais c'est comme des lapins, quoi. Ils sont dans une cage, tu leur donnes à. Avec maintenant l'automatisation, c'est facile de faire tomber de la nourriture. Mais tu gères pas un être humain comme ça. Bah, c'est-à-dire si tu es Ils peuvent faire une révolution, ils peuvent, tu vois, ils sont plus... Si tu es un adepte de Jean-Luc Mélenchon, tu crois qu'il suffit de mettre les gens au chômage et qu'ils vont tous prendre des livres pour s'épanouir intellectuellement. Mais ça, c'est Benoît Hamon, ça. C'est Benoît Hamon, Je pense pas que Mélenchon soit assez con, d'ailleurs, pour penser ça, mais... Ah, mais Benoît Hamon, je pense qu'il en est capable. Oui. D'ailleurs, il porte bien son prénom. Oui, Hamon. Non, mais Benoît, son... Benoît. Ah oui, c'est simplé, c'est le dieu du village. Oui, oui, exactement. Il a une tête d'idiot d'ailleurs. J'ai toujours trouvé. Il a une tête d'idiot. Non, mais il fait bien. Et donc, ce que je veux dire, c'est que. Il a que la tête, attention, on ne l'attaque pas. Lorsque le chapitre du malthusianisme est abordé, Fabien s'interroge, il se dit, donc le personnage principal, il se dit, mais finalement, comment vous faites pour limiter la population mondiale? Et là, il y a tout un tas de. L'autre dit tout un tas de choses, et ben on crée des guerres, il y a les chemtrails, etc. Oui, alors là, on entre un peu dans le conspirationnisme. Une compilation. Non, mais ce qui est drôle, c'est que tu ménages un peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'il y a des chapitres où tu bâches un peu les antisionistes forcenés, les mecs trop fanatiques, les conspirationnistes fous, et en même temps, dans ce passage-là, il y a tout un tas de choses qui seraient. Mis dans la catégorie conspirationniste par la plupart des gens. Quoi. Mais c'est parce que déjà c'est un autre qui parle, en fait il va trop loin. Oui. C'est-à-dire que ces gens-là qui pensent tout contrôler, c'est même pas vrai. C'est-à-dire que souvent les choses se passent parce qu'effectivement, par exemple, en termes d'alimentation toxique, on a eu une surindustrialisation qui a fait qu'on avait besoin de plus de rendement, donc on a mis plus de pesticides, etc. Et puis à un moment donné, on se rend compte que la bouffe elle est pourrie. Mais c'était pas un objectif en soi d'avoir de la bouffe pourrie. Personne n'a pensé à ça. Oui, c'est une espèce de chaîne. Parce qu'eux-mêmes s'empoisonnent aussi, je veux dire. Pas. Donc, c'est. Oui, c'est toujours le contre-argument que je donne au chemtrail. Ils me disent, mais ça toucherait tout le monde. Ça touche tout le monde. Alors après, les mecs, ceux qui partent dans un délire comme ça vont te dire, oui, mais eux, je sais pas, à la limite, on a modifié leur ADN pour qu'ils soient pas soumis à ce genre de modification. Tu vois, je veux dire, faut arrêter. Oui. Mais lui, en tout cas, ce personnage qui explique ça, il y croit vraiment. Mais il se donne sûrement plus d'importance qu'il en a. D'accord. Bah, c'est ça qu'il faut ressentir. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut le ressentir. Ouais. Par contre, ça n'empêche pas après d'enquêter sur ces sujets-là. Ouais. C'est ça que je cite un peu comme ça. Mais là, soyons francs, moi je te demande ton avis. Est-ce que tu penses qu'il y a un contrôle de la population qui est voulu, qui est décidé? Est-ce que c'est un projet, quoi? Bah, le contrôle, il est déjà politique. Oui. Hein, c'est-à-dire de ne plus tolérer. Aucune liberté, même si c'est pas voulu, c'est récupéré. Par exemple, le terrorisme. Moi, je vais pas jusqu'à dire que y a certains fous qui prétendent que c'est le gouvernement qui organise les attentats. Et sans aller jusque-là,
ils n'ont pas besoin, parce qu'il suffit qu'il y en ait pour que le peuple, après, accepte des mesures restrictives quant à leur liberté individuelle, liberté de circulation, de rassemblement, d'expression, etc., de partage d'informations. Et là, tu verrouilles. Donc l'objectif est réussi de manière indirecte. Et c'est pas eux qui ont suscité l'attentat, ils n'ont pas besoin de ça. Et d'ailleurs, tu as une phrase, alors je l'ai extrait du contexte, j'ai juste aimé la phrase, je ne sais plus à quel moment tu le dis, mais j'aimais cette phrase. À un moment donné, le personnage dit c'est pas un complot, c'est un projet. Et c'est vrai que c'est une belle façon de retourner l'argument des gauchistes qui traitent les nationalistes de conspirationnistes. Par exemple, moi quand je dis. C'est fatigant, ça. C'est fatigant, mais quand je dis autour de moi, ben, par exemple, bien entendu que. Et je vais te dire pourquoi c'est fatigant encore pour mais pour la faire très courte, lorsque. On dit par exemple que les immigrés, on les fait venir pour faire peser à la baisse sur les salaires. On va nous traiter de conspi. Alors qu'en fait, c'est pas une conspiration, c'est pas un complot, c'est un projet politique. C'est un projet politique. C'est un mécanisme automatique. Oui. Et les mecs le savent. Ils se posent même pas de questions. Je veux dire, dans l'entreprise, ils prennent un mec qui. C'est comme ça d'ailleurs en Allemagne. C'est pour ça que. Alors, c'est pas pour des raisons humanistes qu'il y a eu un million de Syriens qui ont été. Le truc, c'est qu'effectivement, à un certain niveau d'études et de qualifications, ça marche pas. Oui. Et moi, je le vois, je travaille avec des Indiens notamment, ou d'autres personnes. Ils n'ont pas encore le niveau. Peut-être ça viendra. Actuellement, on peut être tranquille. D'accord. Mais effectivement, en tout cas, pour tous les boulots sous-qualifiés, évidemment, avant, le mec pouvait faire ça avec Bac-2. Aujourd'hui, il a une licence pour pouvoir faire facteur. Quoi. Pourquoi? Parce que sinon, les autres lui passent. Non, mais on est d'accord. Il y a un grand remplacement dans les postes de petites compétences, pas dans les grands. Oui. Mais c'est pour ça, en ce moment, là, avec le ramadan, t'as les bobos parisiens là, qui râlent parce qu'ils n'ont plus d'Uber pour rentrer chez eux le soir. Après avoir bien fait la fête jusqu'à 2h du matin. Ouais. Pourquoi? Bah oui, parce que les autres. Qui c'est qui fait. Qui c'est le pizzaïolo? Qui c'est le chauffeur de taxi? C'est des halogènes. Oui, c'est vrai. Ces emplois-là. C'est pour ça qu'ils les veulent. Leur femme de ménage, leur nounou, c'est qui? Ah, c'est sûr que le parisien, il est content d'avoir une femme de ménage, mais il la paye combien? Oui, finalement, c'est pour préserver leur confort bobo. Et voilà, c'est de l'esclavage moderne. Oui. Donc c'est à dénoncer. J'ai retrouvé la phrase, tu sais, qui est dit à table, en donné, c'est que le diable est son âme. Ah, oui. Il parle en fait d'un maçon qui vient de mourir. Donc pour le rendre hommage, il dit ça. Ça me fait rire, c'est amusant. Donc oui, pour terminer sur cette partie-là... Ah oui, attends, sur le conspirationnisme, oui. C'est vrai que les gauchistes ont souvent, sont souvent réticents à accepter l'idée d'une domination. Par exemple, même sans parler de complot, effectivement, une domination extrême du capital, du capitalisme par exemple. Mais en réalité, ils vont dénoncer l'idée de complot, alors que eux, pour eux, il y a des complots partout quand même. Il y a des petits complots à une petite échelle. Oui. Par exemple, je sais pas, dans leur travail, ils ont des concurrents qui veulent nuire à leur carrière pour monter, pour prendre leur place. Ou pour qu'eux ne montent pas, s'il n'y a qu'une place de chef au-dessus, ça va être l'autre et pas eux. Ils vont être victimes de complots tout le temps. Ils sont victimes. Les précédents bouquins, j'avais relevé un certain nombre de ministres, comme Delphine Bateau, qui disaient tout le temps « je suis victime de complot ». Ou « Ségolène Royal », ou ils disaient tous. Ouais. Mais par contre, dès qu'on parle de complot un peu intelligent, un peu structuré, un peu utile, c'est pas pour nuire à Delphine Bateau, c'est pour contrôler la finance et la France, par exemple. Là, il n'y a plus de complot. Faut pas nous prendre pour des cons. On en revient un peu à une émission que j'avais tournée, une émission de radio, pour laquelle je vous renvoie le premier Bouillon de Melon avec Hassène et Geoffrey, que je salue. Et en fait, dans cette émission, c'est vrai que je ne sais plus lequel des deux disait que finalement, l'ultra-féminisme est une forme de complotisme. C'est l'idée que tous les hommes sont liés contre les femmes. Par exemple. L'idée que, par exemple, Voilà. C'est comme le marxisme, quoi. Il y a une lutte. Et donc il faut se défendre, sinon forcément s'il y a une lutte on va se faire manger. Oui, ou alors l'idée que tous les blancs sont ligués pour empêcher l'Afrique de se développer. Je veux dire, on leur pille leurs ressources. Oui. Et donc ils peuvent rien faire les pauvres. Oui, alors c'est un état de fait, ça s'est fait de cette manière-là, mais ça n'a pas été un projet. Comme ils s'en servaient pas, les autres se sont dit excuse-moi, je te prends ça, mais... ça se fait naturellement. Oui, ce diamant est là depuis des milliers d'années, il faut l'utiliser à un moment donné. Et puis il y a quand même des retours sur investissement, parce que c'est pas parce que le peuple ne profite pas. De la revente ou de la rétrocommission, que les dirigeants n'en profitent pas eux-mêmes. Nous ne sommes pas responsables. Leur parti ou leur tribu, leur clan, c'est tu vois. C'est très important à dire, donnez-le en argument, chers amis, aux gauchos qui nous entourent. Nous ne sommes pas responsables du fait qu'un pays
riche d'Afrique ne redistribue pas sa richesse. Mais sachez bien une chose, c'est pas à cause des Français. En 2017, les enfants, on ne vole pas les richesses africaines, les ressources, on les leur achète. Oui. Il faut le rappeler. Et, hein, et même si on parle de l'Algérie, par exemple, ouais. Tu sais que oui, bah oui, ça quand, c'est... autant de la colonisation comme autant de la décolonisation, pendant un certain temps, je crois même que ça dure encore maintenant, il y a des produits, oui. Des fruits ou des légumes, par exemple, on les rachetait. La France était leur seul marché, et on leur rachetait 5 fois le prix. Juste pour avoir la paix. D'ailleurs, j'ai une question transversale qui n'a rien à voir avec le livre, mais ouais. Est-ce que, comme beaucoup, tu penses que De Gaulle a fait une erreur en laissant l'Algérie aux Algériens alors que nous ne perdions pas la guerre ? Mais c'est très compliqué. Alors, les circonstances dans lesquelles ça a été fait, on peut revenir dessus. Ouais. Mais à terme, il fallait le faire. Ouais. Évidemment. Oui, pour le fait que les Algériens disposent de leur pays. Déjà, pour des raisons humaines. Hein. Ouais. Bon, et puis en plus, lui, il l'a fait en disant « vous nous coûtez trop cher ». Ouais. C'était la phrase qu'il a dit, vous nous coûtez trop cher. Mais c'était vrai, à cause de ça notamment. Mmh. Mais en même temps, le pétrole algérien, c'est quand même con de l'avoir perdu, quoi, d'une certaine manière. Oui, mais certes. Bon, ouais. En ce moment, ils ont des problèmes, tu vois, avec le pétrole. Ouais. Mais, D'ailleurs, mais ça, ouais, y a des problèmes humains qui se posent tellement plus compliqués que ça, qui valaient quand même mieux lâcher, quoi. Si tu fais la part entre le retour sur investissement et puis l'investissement lui-même, tu te dis que non, ça vaut pas le coup quand même. Ouais, même si, effectivement, tu aurais pu récupérer, au final, ça vaut pas le coup. Oui, oui. Dans un ordre d'idées similaire, il y a une question... Et puis c'est une question morale aussi. Tout à fait. Non, mais je suis totalement pour le droit des peuples. De Gaulle, en fait, il aimait pas tellement les Algériens de souche. C'est pour ça qu'il ne voulait pas les voir débarquer en France. Mmh. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'ils soient 100% français. La fameuse phrase sur le niveau de la citoyenneté. De mosquée, voilà. Oui. Donc c'est, évidemment, il ne pouvait pas imaginer que derrière, Giscard ferait le regroupement familial. Mais bon, c'est à l'époque où il le fait, c'est vraiment pour que la France ne soit pas algérienne, comme il disait. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le côté démographique, il y a le côté commercial, il y a le côté moral, mais il n'avait pas les pieds noirs non plus. Ah bon. En disant les pieds noirs se sont mal démerdés, peut-être qu'on aurait pu faire une colonisation, tu vois, à l'anglo-saxonne où on est en meilleur terme, mais ils savaient très bien que sur place les colons, les pieds noirs méprisaient le peuple autochtone et que de toute façon ça se passait pas bien. Oui. Et donc la situation était pourrie. Ouais. Donc il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'échappatoire. Tu vois, s'ils avaient fait ça plus dignement, ça aurait peut-être pu marcher. Parce que les Berbères sont pas... On dit qu'il y a des Arabes, il y a très peu d'Arabes, c'est essentiellement des Berbères en Afrique du Nord. Ça aurait pu marcher un peu mieux, mais ça a été fait tel que c'était foutu. Ouais. Par exemple, ils n'avaient pas accès à l'éducation. Alors au dernier moment, je crois juste, tu vois, genre en 61, tu vois, juste avant, ils leur ont donné effectivement l'accès au lycée, au baccalauréat et donc aux études supérieures. Mais ça a été fait tellement tardivement, la population était déjà tellement anti-française, que c'était inéluctable, la guerre était inéluctable. Ouais, donc voilà. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il a bien fait au final. D'accord. Il n'a pas le choix vraiment, mais... Par contre, il y a un sujet où tu es plus prudent, et c'est vrai qu'on a parfois du mal à répondre, en tant que, là pour le coup, en tant que patriote, nationaliste, c'est que faut-il faire des dom-toms en tout cas, le couple se pose la question un peu dans le... Oui, dans oui bah c'est une vraie question, mais stratégiquement, il faut les garder, c'est évident. C'est, ça nous donne une puissance maritime, une puissance de base militaire, enfin... Ils ne sont pas, mais on peut mettre des sous-marins, on peut mettre plein de choses. Ne serait-ce que pour agrandir notre espace maritime, c'est énorme. C'est sûr que c'est une... Et puis au niveau du sol, enfin au niveau du sous-sol marin, de la richesse géologique, etc., c'est une puissance extraordinaire qui fait que la France, comme on dit, est présente dans tous les océans, quoi. Enfin, sur les sept mers, comme disaient les pirates. Notre empire s'est un peu réduit, mais enfin quand même, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Et puis on a aussi des francophones. Je sais qu'il y a plein de gens dans le milieu nationaliste qui préfèrent le blanc au franco. Ah, mais j'en fais partie, hein. Ouais. Ça, c'est un point, je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est extrêmement intéressant d'avoir des gens qui, tu vois, commercialement, ou stratégiquement, géopolitiquement, diplomatiquement, qui ont déjà ta langue, tes références, ta culture. Oui. Mais en même temps, s'ils sont plus bronzés, mais c'est vachement intéressant. Ça veut pas dire qu'ils doivent venir, mais ça veut dire que... Oui, mais dans l'occurrence, ils viennent. Et comme ils parlent français, c'est pas plus facile de s'installer ici. Il y a beaucoup de Guadeloupéens, je veux dire. On voit beaucoup des Guadeloupéens. Non, mais tu sais que c'est un facteur, par exemple, en dehors du fait Il y a beaucoup, je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de fonctionnaires de souche française qui vont se faire muter dans les îles parce que c'est sympa, notamment dans les Antilles, tu vois, Martinique. En dehors du fait que, par exemple, la France est un pays plus attractif que la Hongrie, le simple fait que l'hongrois soit une langue difficile et que la Hongrie n'ait pas de colonie en Afrique, dissuade un peu quand même les Africains de venir, c'est des éléments dissuasifs. Oui, pour l'instant. Mais le jour où ça forcera vraiment,
ils céderont comme les autres, hein, si c'est une digue qui saute. Tu vois. Alors je sais qu'en ce moment, oui, ils sont en train de faire la chasse, là, ils ont même recruté des chasseurs de migrants, j'ai vu ça. Mais là, on parle de migrants, on parle d'immigration illégale en plus. Même légalement, si ça croît partout. Bah oui, donc à terme, c'est un problème européen. Ils ne se sont pas plus protégés qu'ailleurs, il ne faut pas croire. Mais justement, dans cette idée, bon là on sort du roman, mais dans cette idée où l'Europe subit un peu les mêmes problèmes d'Est en Ouest, toi tu ne crois pas tu penses encore que les nations restent le meilleur socle pour se protéger contre cela? Tu ne crois pas à une Europe fédérale sur des principes nationalistes de droite? Non, surtout, et surtout pas avec l'Allemagne, on a déjà parlé, mais surtout pas avec l'Allemagne. Ouais. Toi, tu considères l'Allemagne comme un ennemi politique. Mais c'est un concurrent, de même que l'Angleterre. Si tu veux, t'as trois forces en Europe qui ont chacune leur zone d'influence. Ouais. T'as l'Est, ou l'Europe centrale et de l'Est avec l'Allemagne. T'as l'Europe française, donc l'Europe plutôt latine, méditerranéenne, avec l'Irlande, qui est au nord, mais qui est quand même considérée comme du sud, avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie, des pays pauvres en fait. Oui, hein, des pays qui sont pas l'Irlande dans la zone des Anglais. Non. Des Anglais, bon. Non. Mais, et puis le monde plutôt anglo-saxon, avec les Pays-Bas, le Danemark, qui sont partagés, et puis l'Europe du Nord, et puis les États-Unis après. Hein, parce qu'après, tu arrives avec l'Australie, et puis le Canada, les États-Unis. Sûr, donc ni marché transatlantique, ni marché allemand. Donc quand on parle du couple franco-allemand, pour moi, c'est un gros piège. Le couple franco-allemand, c'est l'Allemagne qui domine. Donc pour moi, c'est dangereux. Donc finalement, qu'est-ce que tu peux... Mais c'est parce que je suis un gars de l'Est aussi. D'ailleurs, tu le vois dans le score du Front National. Ouais. Les gens qui sont plutôt anti-européens. Ben oui. T'as pas l'allemand dans ton génome, toi? En fait, ils sont presque anti-allemands, mais au sens... pas au sens ethnique du terme, mais au sens géopolitique. C'est Cass Philippot, par exemple, qui est un... Mais bien sûr. Ouais. Et tous les mecs de l'Est, tu vois, De Gaulle vient de Lille. En fait, tu coupes la France en deux, mais non pas comme les écoluches du haut en bas, ou comme disent souvent les commentateurs politiques, la France du Sud et la France du Nord, avec le Front National du Nord et le Front National du Sud, mais d'Est en Ouest. Et tu verras qu'à l'Ouest, tu leur parles de l'Allemagne, ils aiment bien, ou ils connaissent pas, ou ils aiment bien, a priori. Parce qu'on en parle tout le temps, l'axe franco-allemand, etc. Mais si tu parles de ça à un mec de l'Est, lui il connaît parce qu'il sait ce que c'est, il se souvient de l'occupation, il se souvient de 1870, il n'y a pas que l'Alsace et la Lorraine, mais il se souvient de toutes les guerres de Prusse, etc. D'accord. Et donc il connaît la mentalité impériale germanique. D'accord. Et il s'en méfie. Et il a raison. Alors, je ne dis pas que les Allemands ne peuvent pas être des alliés, mais il ne faut pas une structure unificatrice parce qu'ils vont dominer. Déjà, ils dominent démographiquement. Mais pourquoi? Alors peut-être. Pourquoi? Est-ce que c'est pas? C'est un esprit, c'est une mentalité, une capacité. Ils peuvent être meilleurs. Ils sont peut-être meilleurs. Dans certains domaines. Ouais. D'accord. Mais justement, faut s'en méfier. Ouais. Ouais. Sinon, ils te prennent la place. Parce que c'est vrai que c'est si comme la France. Moi, le but, c'est d'avoir. Non, mais d'accord. Mais d'accord. Oui. La première moi, place. Je suis quand même vraiment fasciné par la capacité de réaction du peuple allemand qui, après le mur de Berlin, etc., se retrouve premier de l'industrie. Ouais, mais alors attention, ça a bien changé quand même, la capacité de réaction avec la migration qu'ils subissent. Ça va pas tenir longtemps. Moi, je les plains, je suis pas... Moi, j'aime pas voir la main se casser la gueule. Oui. Mais ce que je dis simplement, évidemment, c'est bien d'avoir des puissances européennes, mais je dis simplement, il faut pas tomber dans le piège d'une espèce de binôme dans lequel on sera toujours inférieur. D'accord. Après, la situation peut changer, tu vois. Dans 30 ou 40 ans, démographiquement, ne serait-ce que ça, on peut repasser devant. Parce qu'ils ont une population plus vieillissante, etc. Donc, le rapport de force peut s'inverser, on verra. Mais actuellement, ils ont la puissance, et ils ont la démographie, et ils ont... Et en plus, ça, ils ne le perdront pas, ils ont l'esprit impérialiste qui va bien. Moi, je dis, attention, danger. Voilà. Écoute, pour la démographie, c'est ça, ce sera à celui qui prend le plus d'immigrés. Après, on verra. Voilà. Ouais, mais on verra s'il reste aussi. Ouais, c'est clair. C'est pas sûr. C'est... Alors, pour terminer cette première partie, je voudrais quand même arriver au point le plus important de ton bouquin. Donc, ce personnage principal, là, ce Fabien, il est dans l'élite. Et se pose alors la question essentielle qui est, peut-on garder les mêmes idées, les mêmes postulats, tout en fréquentant des gens qui les remettent en question, en fait, par leur simple existence? C'est-à-dire que lui, tout à coup, qui avait ses idées souverainistes, l'amour de la France, patriote, amour de son patrimoine, etc., il tombe un peu sur des Jacques Attali au carré, et finalement, il est quand même un peu séduit. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, humainement, c'est des gens intéressants. Ouais. Et puis en plus, alors, il y a ce côté,
on a déjà discuté, je crois, dans d'autres émissions, mais ouais. Il y a le côté antidémocratique. Ces gens-là oui. Ne tiennent pas compte du peuple. Mmh. Mais au bout d'un moment, quand tu es dans l'opposition et que tu vois ton pays vraiment sombrer, tu te dis que les gens sont des cons. Oui. Et en fait, c'est tous les arguments, toutes les réflexions, hein, on prend Rebatet, on prend tous les collabos de 1940, c'est des gens qui avaient souvent défendu avant la France, pendant la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres, et qui n'ont fait que annoncer la catastrophe qui arrivait. Oui. Et quand elle est là, ils se disent « Mais putain, je vous l'avais dit !» Il y a cette tentation de haïr. Donc c'est à cause de vous êtes des gros cons. Donc maintenant, moi je joue pour moi. Voilà. Oui, oui. Et tout à coup, les discours de membres d'élite qui disent que finalement, donc, un petit groupe doit... Ils se rejoignent sur ce côté-là. Tu vois, la synarchie, par exemple, tu vois, le côté... Le contrôle de l'État sera fait par des hauts fonctionnaires, tu vois, des technocrates, vraiment la technocratie des années 30, des années 40, bah, c'était ça. Ouais. Tu vois, c'était à la fois des mecs de la cagoule, donc tu vois, des mecs qui voulaient, on va dire, des crypto-fascistes, quoi. Mais si le fasciste n'existait pas vraiment en France, ils s'en rapprochaient plus. Et puis avec le maréchal derrière, et sous occupation allemande, donc tu vois, ça marche. C'est-à-dire, c'était leur truc. Et donc, ils finissent par s'allier, mais pour l'efficacité, et puis en se disant, de toute façon, le reste est encore pire. Donc, la démocratie, ou l'antidémocratie, plutôt, c'est ce qui les rallie. Ils les rapprochent, ouais, voilà. C'est vrai. Alors après, est-ce que tu as senti dans l'autre sens? Parce que tu peux être, mais eux, est-ce qu'ils peuvent aussi être séduits par quelqu'un qui est enraciné, qui a de nombreuses reprises, les personnages qui sont au-dessus de lui en termes de hiérarchie sont quand même admiratifs. En tout cas, ils ont un respect, son amour de la France. Est-ce qu'ils se moquent de lui? Est-ce qu'ils sont tout le temps en train de le tacler? Non. Ce qui est certain, c'est que pour travailler pour le gouvernement, il faut quand même aimer politiquement la structure de son pays et vouloir en fait les... C'est-à-dire, tu te dis, comme le maréchal, quoi. Tu dis, oui, d'accord, il a collaboré avec les Allemands, mais... Il essaye de sauver les meubles. Il aurait pu lâcher l'affaire. S'il avait rien fait, ça aurait été pire. Donc au bout d'un moment, tu te dis, bah, je vais essayer de faire ce que je peux. Bon, bah, oui, c'est... En fait, ce qui est intéressant... C'est très compliqué. Ce que j'aimais dans ton livre, c'est qu'il introduit de la nuance dans un milieu comme le nôtre qui en manque énormément. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas tout blanc, tout noir. D'ailleurs, il y a un passage où tu critiques le manichéisme. Ouais. Le personnage pratique le manichéisme. Et en fait, c'est vrai que Le reprendre à mon compte. Non, mais c'est vrai, je me suis rendu compte qu'on a tendance à être trop. Lui, il est gentil, lui, il est méchant. Et puis c'est fatigant, quoi. Ouais. Ça sert à rien. Et surtout, c'est pas intéressant dans le cadre d'un roman. C'est bien, il faut de la nuance dans un roman pour s'attacher au personnage. Et puis parce que la vie est comme ça. Donc, c'est ça. La vie n'est pas bien. Dans l'action politique aussi. Oui, bien sûr. C'est ça, en termes d'efficacité. Si tu dis, bah non, tu vois, un mec qui dit. Qui est trop puriste. Oui. Bah, ces idées, elles sont jamais au pouvoir, jamais. Alors que si tu peux en mettre 20%, bah, c'est déjà pas mal. Mais je te donne un exemple concret, il y a beaucoup d'amis à moi nationalistes qui sont un peu torturés parce qu'on a un nouveau président, Macron, et en fait, ils ont une vision contradictoire de ce mec, c'est qu'ils abordent ses idées politiques, mais en même temps, ils ne peuvent pas nier que c'est quelqu'un qui, par certains aspects, est charismatique. Il y a un truc qu'il faut regarder, c'est les tweets de Paul-Marie Couteau sur Macron. Oui. Ils étaient assez marrants, et évidemment il a combattu ce que représente le macronisme, c'est-à-dire l'Union Européenne, toute sa vie. Quoi. Mais Macron est un golden boy qui a du charisme et qui semble sympathique, faut le dire. Mais il a une très bonne tenue. Tu le vois défiler sur des véhicules militaires. Ah, c'est pas François Hollande, bien sûr. Il va voir Villiers au Puy du Fou, où il est épaté par Jeanne d'Arc. D'ailleurs, il y a été aussi parce qu'à cette époque, Villiers venait de faire rapatrier. L'anneau de Jeanne d'Arc d'Angleterre au Puy du Fou. Et là, il y a Macron qui arrive. Et moi, j'aime Jeanne d'Arc. D'ailleurs, je ne suis pas socialiste, etc. C'est un gars qui peut faire une certaine synthèse française, et en plus, qui est très intelligent. Mmh. Beaucoup plus, d'ailleurs, c'est l'erreur de Marine Le Pen et du Front National a été de sous-estimer. C'est un type, d'ailleurs, qui fait des études de lettres. Oui. Tu vois, c'est pas un pur techno. Tiens, c'est un cagneux, je crois. Puis il a fait l'école normale. Enfin, moi, mais. Il a les deux versants, lui aussi, intellectuellement, et c'est un gars très bon. D'ailleurs, il est très ambitieux, hein, mais très bon, il ne serait pas arrivé là autrement. Quoi. Oui, on n'est pas un président en 39 ans sans qualité. Mais après, effectivement, son projet de laisser dominer la France par l'Union Européenne, c'est-à-dire par l'Allemagne, d'ailleurs, il parle de la chancelière tout le temps, hein, il parle pas d'Europe, il parle de l'Allemagne, et chaque fois... Bah là, pour le coup, on est dans le mondialisme. Quand on entend Europe, il faut penser Allemagne. Ton premier bouquin, c'était la France face au mondialisme, avec Macron, on est à fond dedans. Ah oui, ouais. Voilà, donc... mais,
anthropologiquement, le gars. Exactement, qui... voilà, c'est le bon terme. Exactement. Voilà. Et après, oui, bah, évidemment que politiquement, c'est un ennemi politique. Oui, les enfants, soyez nuancés, mais surtout restez avec nous, on revient pour la deuxième partie, à tout de suite. Deuxième partie de Vive l'Europe, vive l'Europe, vive la France, vive les Blancs, vive ce que vous voulez, vive la Lorraine, tu me disais tout à l'heure. Voilà. Alors c'est vrai qu'on avait oublié un petit peu notre petit rituel en première partie, on était parti sur du très sérieux, Chine. Donc un petit chardonnay, voilà. Félicitations encore pour ton ouvrage. De la Nièvre, voilà, ben merci. Petit rafraîchissement, nous goûterons ensuite un excellent... Tu m'as dit c'est quoi, c'est de la... C'est de la Mirabelle. De la Mirabelle, pardon, voilà. La Mirabelle. On passe un de l'eau de vie, hein, de la goutte, comme on dit, donc, qui est de 85. Du carburant. Mon année de naissance, 85. Ah oui, c'est... Et que mon grand-père a fait, donc il y a 32 ans. C'est voilà. Pas beau ça, vous avez vu un peu comme il ménage un petit peu, c'est magnifique, on va se régaler. Ah, il en reste 4 des bouteilles comme ça, dans la cave, hein, donc c'est une des dernières. Oh là là, ça présage d'un after très intéressant. On dira pas l'heure qu'il est. Non, non. Ça pourrait vous inquiéter. C'est ça. On va ménager le public. Est-ce qu'il y a des mineurs qui regardent? Il y en a qui commencent tôt. Voilà. Normalement, il faut commencer à une certaine heure. Alors oui, une petite précision que j'ai oublié de dire aussi dans la première partie. Donc, ton livre est disponible aux éditions Bibract. Bibract, voilà. Voilà. Et actuellement. Bibract, en fait, c'est que Mitterrand, je crois qu'il a cité Bibract à plusieurs reprises. D'accord. Voilà. Bon, Mitterrand, qui était un mec de droite dans la partie de gauche. Oui, 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 c'est vrai que le passé de Mitterrand, on a beaucoup jasé là-dessus. Voilà. Et donc, en fait, si vous commandez, je vous mettrai un lien, bien sûr, pour commander le livre de Jean-Yves si vous êtes intéressé par ce qu'on vient de raconter et sa personnalité. Et actuellement, en fait, il y a une espèce d'offre qui fait que si on a... qui vient de sortir. Là. Voilà, voilà. En plus de ce bouquin, si vous commandez L'Ombre au Sommet, vous aurez aussi une brochure, L'Esprit Gauchiste. Voilà. Alors, c'est toi, si tu es l'auteur également de cette brochure, voilà, donc tu viens de parler un peu. Voilà, donc j'ai rédigé une petite brochure... donc sur qu'est-ce que la mentalité gauchiste, ouais. À la fois ces méthodes de contamination, hein, de perversion de la société, ces méthodes de pénétration des mentalités, des honnêtes gens, parce que beaucoup de gauchistes sont des gens bien, hein, oui. Si on leur enlève ce poison gauchiste. Ouais, ouais. Hein, c'est des gens qui sont plus altruistes, qui ont des valeurs. Ils pensent faire le bien, en tout cas. Ils pensent faire le bien, mais donc il faut leur montrer qu'ils se trompent. Voilà. Voilà. Donc étudier à la fois les méthodes de pénétration de la mentalité gauchiste et le fond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être gauchiste? Parce que souvent, donc ce que j'explique, je ne vais pas redétailler, il y a 28 pages, vous les lirez assez rapidement. Bon, ouais, non, mais vas-y, je t'en mais il faut les... Par exemple, le gauchiste, sur l'immigration, il a un point de vue bien, bien précis. Oui. Évidemment, il ne connaît pas l'immigration, souvent. Hein, souvent. Bon. D'ailleurs, ça, c'est un argument qui revient souvent. On dit, mais si, toi, tu as peur de l'immigration, tu es xénophobe. Parce que si tu connaissais vraiment les immigrés, tu les aimerais. C'est bien non, c'est le contraire. Plus on les connaît, plus on s'en méfie. Zut, quand même. Bon. et donc, c'est comme ça pour tout. Quoi. C'est pour ça qu'on dit que souvent, le gauchisme est une maladie mentale, parce que c'est le déni du réel. Les gens prétendent connaître, en fait non, ils ne connaissent pas, ils ont une idée préconçue, et quand quelqu'un de sérieux se penche sur la question, il se rend compte que décidément le gauchisme est de l'autre côté de la vérité, quoi. C'est de l'autre côté du miroir, quoi. Et tu penses que, pardonne-moi cette expression, mais tu penses que les gens pourraient pousser la quenelle, les gens qui nous regardent, ouais, jusqu'à offrir ce bouquin à des amis gauchistes qui bien connaissent sûr, ça bien, peut un peu les... mais c'est aussi pour ça que je l'ai fait, ouais. C'est-à-dire que comme je reprends tout ce qu'ils pensent, ils doivent se sentir cons, quoi. Oui, oui. Parce qu'ils se disent, mais alors, moi qui pensais être quelqu'un d'averti, parce qu'un gauchiste va critiquer le politiquement correct. Mm-hmm. Il va être persuadé que, contrairement aux médias, c'est pour ça que il y avait une caricature qui circulait en disant quelqu'un qui regarde TF1 est persuadé qu'on dit du mal des halogènes, par exemple. Oui. Parce que le gauchiste va avoir du fascisme partout. Alors qu'en fait, il est dans la matrice. Oui, oui. Mais il est le plus... C'est lui qui est le plus pénétré de ces fausses valeurs, mais ou de cette fausse mentalité, cette mentalité de oui, fou. Tu vois, au sens strict, il est fou. Ça, rien ne correspond à la réalité, c'est un monde parallèle, un univers parallèle. On dit, pour rigoler souvent, les bisounours, mais on pourrait utiliser une autre expression, mais c'est ça que ça veut dire, quoi. C'est dans un univers parallèle, une dimension différente de la nôtre. Oh oui, il y a un problème de perception, voilà. Et un voile, en fait. Voilà. Et donc, quand on va au bout de la logique, normalement, il devrait être tout con et se dire, ah ouais, mais alors... Moi, je pensais que j'étais différent, que j'étais rebelle, que j'étais original, que je pensais différemment des médias, contre la propagande et tout ça. Mais en fait, c'est moi. Ouais. Parce que là, ça peut faire un bug. C'est quelque chose, on bute toujours contre ce mur. Les hommes de droite se disent, mais comment on peut leur faire prendre conscience de l'absurdité de leur raisonnement, en fait. Donc, il faut mettre face à leurs contradictions et surtout leur montrer que leurs expressions... Oui. Je discutais avec quelqu'un de ma famille récemment.
suite à l'attentat, alors, parce qu'il y en a tous les jours maintenant, donc pas le dernier, mais l'avant-dernier attentat. Ça eh oui, ça arrive, je sais bien. Je ris, mais c'est pas drôle. Mais ouais, moi, moi non plus, ça me rend triste. Ouais, ouais. Mais il me disait, ah ben zut alors, cet attentat, ça va pas améliorer les choses. Je lui dis, mais de quoi de tu parles but, ouais. Il y a des gens qui ont été fauchés là par un islamiste. Ouais. Ouais, mais non, mais justement, ça va pas, mais ça, c'est pas ça qui va améliorer les relations avec les musulmans. Voilà, parce que l'objectif de vivre ensemble est le plus fort. Bon, il a 19 ans, il faut le pardonner, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que ça pénètre tous la les gens. Et donc, pensée, donc ces gens, ils n'ont pas inventé l'expression du vivre ensemble. Ils n'ont pas inventé toutes les théories gauchistes, mais ils les reprennent. Oui. Donc là, ils vont voir que ce qu'ils pensent être quelque chose d'original et de personnel vient en fait d'un matraquage, voilà, oui. Qu'ils sont victimes de matraquage. Oui. Même s'ils ne le voient pas, j'invite les gens qui sont déjà éveillés à lire la brochure et à le leur dire, à le leur répéter, pour qu'ils arrêtent au moins de se croire supérieurs. C'est quand même fatigant. C'est clair, c'est horrible. Hein. Non seulement ils ont tort, mais en plus, c'est des cons arrogants. Quoi. Voilà. C'est ça, il y a une arrogance gauchiste. C'est ça qui est pénible. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, allez, deux bouquins pour le prix d'un. Voilà, donc une petite brochure d'une trentaine de pages. Voilà. Alors, je ne suis pas certain, mais je crois t'avoir posé un peu la question comme ça. Je m'excuse si ça fait un peu bis repetita. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que dans la vraie vie, un homme nationaliste pourrait intégrer ce genre de poste et ce genre oui. de fonction? Alors, tout à l'heure, j'avais répondu pour le héros. Ouais. Le héros ne s'exprimait pas directement. Il avait un entourage qui était effectivement ciblé, considéré d'extrême droite, mais lui-même, en fait, il ne savait pas. Il a pu rentrer facilement. Il arrive ici parce qu'ils ne savent pas en fondamentalement ce qu'ils pensent. C'est ça, c'est voilà. ça. Et puis lui, il est assez malin. D'ailleurs, au tout début du roman, je le dis parce que c'est les premières pages. Donc il n'y a pas vraiment de spoil. Il se défend justement d'être d'extrême droite en disant « Monsieur, je ne fais pas de politique ». Et son interlocuteur lui répond « Mais je sais, vous êtes trop intelligent pour ça ». Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, il y a des fois, comme ça. Alors, je l'avais noté, mais ça prend trop de temps que je cherche. Ouais, mais bien sûr. Tu cites un auteur qui dit qu'effectivement, que les hommes politiques finalement, étaient des gens qui n'avaient pas d'aptitude particulière et qui, du coup, se sont rangés sur... Bon, alors, ils ont quand même l'aptitude politique à parler aux gens, à avoir un esprit de synthèse, quand même, c'est pas rien. Mais, mais je sais pas s'il parle aux gens, tu vois, un mec comme Charles de Gaulle, oui. il peut parler à ce qui fait vibrer en chaque Français la France, mais c'est pas quelqu'un qui s'adresse vraiment au peuple avec facilité. Hein. Même la télévision, il avait un peu de mal, enfin, c'est pas Malraux, quoi, tu vois. Il était quand même au-dessus, donc même sans ça, tu peux quand même parler aux gens, mais à condition de rester au-dessus de la mêlée. Ça, c'est important. Ouais. Alors, il y a pas mal de références. Ce que j'aime dans ton livre, c'est qu'il y a des références en fait à la culture française classique, qu'entre guillemets tout le monde connaît au moins de nom. De nom, mais c'est ça le problème. Voilà, certainement pas de lecture. J'invite les gens à lire ouais, n'importe quoi, mais lisez. Ça, c'est clair. Spécialisez-vous sur un auteur, mais lisez-le. Mais. À côté de ces références culturelles presque qu'on attend dans ce genre de livre, eh bien en fait, tu as des ce que moi j'appelle des références pop, c'est-à-dire des références d'aujourd'hui. Mode actuel, quoi. Oui, non, mais il n'y a aucun. Je dis ça sans. C'est comme la variété, pour moi, c'est pas un gros mot. Ah sais, oui, hein. Tout à fait. Eh bien en fait, voilà, tu parles de chansons d'aujourd'hui, tu parles de séries, une série américaine, etc. Cet éclectisme, je sais pas, c'est quelque chose auquel tu tiens, vraiment, tu. Être ancré dans ton temps, quoi. Oui, bah c'est-à-dire que... Alors moi, j'ai souvent un temps de décalage quand même. Ouais. Voilà, un truc qui est sorti il y a 2 ans, je le connais pas parce que je suis en train de regarder celui d'il y a 20 ans. Mais alors, dans 20 ans, je connaîtrai celui d'aujourd'hui. Mais je m'intéresse quand même effectivement à ce qui se fait. Voilà. Et que ce soit en matière de musique, en matière de série, même en matière de série française. En ce moment, il y a une série extraordinaire qui est primée à l'étranger. C'est rare pour une série française, c'est avec Kassovitz. Ah oui. Le Bureau des légendes, sur la DGSE, les services de contre-espionnage français. Oui. Elle est géniale, cette série. Elle est géniale. Ouais. Est-ce que t'as... Un mec comme Kassovitz est con, parce qu'il a jamais compris la portée de ses rôles et de ses films, socialement. C'est-à-dire qu'il a une conscience politique d'huître. Il avait été courageux le 11 septembre, mais autrement... Autrement, c'est un gauchiste, quoi. Ah oui, totalement. Il est même très virulent. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est pour ça que j'en profite pour dire ça. Mais n'empêche que... alors c'est pas lui qui a... Bon, lui c'est l'acteur principal, c'est pas lui le scénariste de la série. Mais en tout cas, il l'interprète très bien. C'est-à-dire qu'il a compris forcément l'esprit de ce qu'était l'espion, etc. Oui. Donc j'invite à regarder ça. Il y a d'autres séries. La série politique, là, Les Hommes de l'Ombre. Oui, tu vois, c'est les mecs de PJ que tu retrouves dedans, Les Hommes de l'Ombre. Oui, oui. Elle est très bien aussi, où il te montre le cynisme des communicants qui ont remplacé la politique. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. C'est une petite série, tu vois, 3 saisons, 18 épisodes, tu vois, 6 x 3.
C'est tout petit. Ouais. Mais t'as vraiment la vision. Est-ce que. Bon, toi qui. De la nouvelle politique maintenant, tu vois, de la politique où on remplace par la communication. Même si tu es peut-être moins que moi, tu es quand même assez présent sur les réseaux sociaux, tu vois un peu comment se comportent les nationalistes. Est-ce que tu dirais pas qu'il y a. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance. Je me rends compte que ma question est un peu orientée, il y a un peu la réponse dans ma question. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une tendance quand même à être. Centré sur des références qui sont dépassées et rester là-dessus. Alors, dépassé, c'est pas grave. C'est pas forcément dépassé, mais ça, disons ancien. Mm-hmm. Alors ça peut être dépassé aussi, hein, mais même si c'est ancien, il faut aussi avoir les deux. Oui. Il faut avoir à la fois l'ancien et l'actuel. Il faut pouvoir faire des comparaisons, il faut pouvoir voir l'évolution de la société. On n'est plus en 1930. Il faut vivre au moment où il y a la technologie qui a changé. D'ailleurs, ces gens-là utilisent les réseaux sociaux. C'est bien la preuve qu'ils sont quand même au courant d'une certaine forme de modernité. Mmh, c'est vrai. Et donc, il faut aller au bout. Oui. Il faut admettre que les gens vivent comme ça. Maintenant, les gens vivent avec leur smartphone. Mmh. On peut regretter. C'est comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a plein de choses comme ça. Être conservateur et être rétrograde. C'est et sur la musique, sur des tas de choses. Oui. Bon, la musique, je connais bien. Parce que, mais il faut... Voilà, on parle des séries. Les séries, le cinéma, je connais beaucoup moins. Mmh. Il y a certains trucs que je connais. Parce que j'essaie de suivre. Oui, tu disais que t'es pas trop télé en général. Non, je regarde jamais la télé, donc tout ce que je vois, c'est après, une fois que c'est déjà médiatisé un peu. On voyait des conseils séries à Jean-Cyril, à Jean-Yves. Non, mais le truc, c'est que j'ai pas le temps. Mais j'essaie de temps en temps. Tu vois, je sais pas, en fait, ou alors je note. Ouais. Une fois que j'ai 10 croix, tu vois, c'est une fois que j'ai 10 personnes qui me conseillent le même truc, ça y est, je regarde. Tu vois. Ah, c'est parce intéressant. Que, je note pas, mais je note dans ma tête. Tu vois, oui, bien sûr. Là, tu te dis, il faut que je me penche sur la question. Par exemple, je sais que j'ai un truc, comment ça s'appelle la maison des cartes, la House of Cards. House of Cards. Je sais pas ce que c'est, mais il y a déjà 3 ou 4 personnes qui m'en ont parlé, plus qu'une ou deux, et je vais finir par regarder. Tu vas finir par te lancer dans l'aventure. Voilà, c'est ça, dès que j'aurai du temps. Alors. Est-ce que tu t'es senti à l'aise avec l'écriture de ce roman ou est-ce que tu as trouvé ça plus difficile que tes exercices précédents? Alors c'est plus difficile, comme j'expliquais tout à l'heure, pour rentrer dedans. Ouais. Mais une fois qu'on y est, c'est finalement plus facile parce que c'est beaucoup de dialogue. Déjà, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de dialogue. Je crois que c'est toi-même qui l'avais dit une fois dans une vidéo. Ouais. Tu vois, je te rends hommage à toi-même. Mmh. Parce que tu as étudié la philosophie aussi. Oui, donc oui, Platon, sûr, par exemple. Oui. Et dès qu'on met un dialogue, évidemment, il y a deux points de vue qui s'affrontent. Ou qui se complètent. Moi, je préfère le côté complémentarité que le côté vraiment affrontement. C'est pour ça qu'il y a des débats qui sont plus intéressants que d'autres, parce que les gens ne s'attaquent pas directement, ils vont compléter, donc l'auditeur ou le spectateur va pouvoir prendre les deux. Oui. Et faire une synthèse, en gros, intelligente des deux. De ce point de vue-là, les dialogues permettent de relancer un peu, de se confronter à soi-même. C'est très curieux que tu dises ça, parce que justement, ça allait dans ma question suivante, et tu n'étais pas censé le savoir. Mais j'allais te dire que un autre ami que je connais qui a lu également ce livre m'a dit la même chose, c'est que parfois quand on lit les dialogues de ce livre, on a l'impression d'avoir affaire à des dialogues socratiques où en fait les personnages s'entraident en quelque sorte pour arriver à une conclusion. Oui, évidemment, c'est mon but. Le but de l'auteur, c'est que ces personnages complètent la vision du lecteur. Et ceux qui n'ont pas compris la démarche pourraient trouver que c'est artificiel et que c'est des mauvais dialogues. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, il y a ce côté vraiment où il y a une complicité entre les personnages qui pensent la même chose. C'est le cas de ce couple, par exemple. Il y a un passage de 10 pages où il y a des nuances, mais globalement, ils sont d'accord sur l'essentiel et ils se complètent. Oui, bien sûr. Donc, c'est en fait. Plus qu'une dialogue, c'est une démonstration de philosophie politique. C'est ça. Qui en fait. Et c'est pour ça que si on veut avancer dans un dialogue, il faut évidemment que les points de vue ne soient pas complètement contradictoires. S'ils le sont complètement, on n'avancera pas. Il y en a un qui va dire blanc, l'autre va dire noir. Et c'est un duel. Là. Voilà. Bon, le lecteur pourra choisir son camp à la limite, mais c'est tout. Il pourra pas évoluer. Là, c'est plus malin. On fait intervenir des gens qui sont d'accord sur l'essentiel, mais dont les nuances, notamment en termes tactiques, parce qu'en fait, ils s'affrontent sur quoi? La vision du monde, ils ont la même, et c'est le cas à peu près. Parce que, évidemment, c'est pas par hasard que j'ai fait ces personnages-là, c'est parce que c'est utile dans notre milieu. Oui. On est d'accord sur l'essentiel, il faut arrêter de se prendre, le fou sur des conneries. Oui. Qu'est-ce qui va changer? Comment est-ce qu'on fait? Sur la tactique, la stratégie, donc le court terme ou le long terme, mais quelle est la tactique à adopter? C'est sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre à un besoin qu'on va éventuellement se friter. Donc là, on peut partager des expériences, des positions. Mais si on est complètement désaccord à la base, ça ne marchera pas, ce genre de choses. Il faut un minimum de références communes, tu vois, c'est Scorwell. Je sais qu'on fait référence tout le temps, mais c'est vrai. Il est bon, c'est vrai. Voilà, il a vu juste pour cette société. Hein. Il faut un minimum de valeurs communes pour aller au-delà, sinon on n'avancera pas. C'est pour ça que la différence, tu vois, entre une société, entre des musulmans
même s'ils sont pas islamistes, ils restent musulmans quand même, et tu les mets dans une société française qui ne l'est pas, ça donnera rien. Les deux vont vivre chacun de leur côté, c'est évident. Et dans le meilleur des cas, ils signeront, dans le pire des cas, c'est l'affrontement. Mais ça marche pas. Ce que je trouve assez habile dans le bouquin, c'est que donc la... J'ai dire l'épouse, la petite amie du héros. Ils sont pas mariés, mais ils sont fiancés. Ouais, ils se fiancent. L'amoureuse du héros, qui est quelqu'un très important dans le roman, c'est une militante politique. Et l'habileté est dans le fait que finalement, on ne sait jamais vraiment quelle est sa tendance exacte. On sait que finalement, elle est de droite souverainiste, oui, parce que l'immigration, etc. C'est de son point de vue à lui, donc à la première personne, donc voilà. On n'est pas dans sa tête. Non, mais il n'y a pas ce côté où on elle dit je dis n'importe quoi, monarchiste, à tendance machin, et voilà. Mais tu sais, justement, tu sais pourquoi. Ouais. Et c'est une militante. Mmh. Et le militant ne doit pas faire ça. Bien sûr, sinon ils s'aliènent la plupart des gens. Oui, ça marche plus. Déjà, ils se coupent d'une partie non négligeable de ce qu'on appelle maintenant la dissidence, ce que j'appelle la résistance antimondialiste. Oui. C'est, ça peut pas marcher. Donc oui, il faut. On dit on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Mmh. Et les militants le savent. Il faut quand même. C'est pour ça que les mecs trop puristes, notamment qui pullulent sur les réseaux sociaux, mais en vrai, je vous rassure, j'en rencontre moins. Oui, tout à parce fait. Que ces gens-là, on les voit pas chose. De toute façon. Oui. Donc peut-être même c'est ce qu'on appelle des trolls. C'est rare. Ouais. Ça arrive, mais c'est très rare que. Ouais, que vraiment, en général, les plus intransigeants sur Internet, tu ne les croises pas dans la vraie vie. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont pas. Ouais, c'est pas un problème. Ils n'existent pas vraiment. Oui, oui. Ouais. Vrai militant n'est pas comme ça. Pour tout te dire, ça n'a absolument rien à voir, c'est pas du tout la même thématique, mais ouais. Cette façon de faire des dialogues m'a fait penser à Sade dans La philosophie dans le boudoir. Tu sais. Non, j'ai pas lu. Non, bah écoute, si un jour tu te motives à lire ça, c'est aucun intérêt politique pour moi. Quoique, c'est de la politique, mais c'est nos adversaires, hein, c'est vraiment la. Enfin, il n'y a rien de plus ignoble pour moi de cette manière. Par contre, c'est quelqu'un si de talentueux. Mes degrés, évidemment. Voilà, c'est quelqu'un de très talentueux. Et tu avais invité Boris, non, qui parlait de ça. C'est exactement. Boris, j'avais beaucoup aimé. Alors, moi, je ne connais pas beaucoup ça, mais j'avais beaucoup aimé son interprétation et sa Mais parce que ça, c'est un vrai auteur. C'est clair qu'il y a du génie. C'est chez ça, c'est une réalité. Quoi. Et il a cette façon de construire les dialogues où, en fait, les personnages, je te dis, c'est comme une pente et c'est une escalade et chacun. Cède en fait pour arriver à la démonstration finale, tu voilà. vois. Et j'ai vraiment eu cette sensation dans ce livre. Voilà, c'est un peu ça. Non, c'est beau. Non, mais c'est bien de dire ça aussi parce qu'on a. Il y a une construction, hein, c'est pas. On a un public qui. Je connais un peu, je commence à connaître un peu mon public. Ouais. C'est pas un public qui est fan de romans, au sens où on raconte des histoires, c'est des gens qui aiment la politique politicienne. Et en fait, vous verrez que c'est un roman, mais où on sent la patte du penseur politique. C'est un roman politique. Hein. C'est un roman politique. Pas politicien. Ouais. Non, c'est vrai. Plutôt d'histoire des idées, enfin au niveau plutôt métapolitique, quoi. Mais oui, pas au sens où tu vois, parfois les détails politiques peuvent être chiants, mais au sens où on sent derrière que tu es un penseur politique qui s'exerce au roman. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et le truc, c'est que, bon, t'es peut-être comme moi, je crois. Ouais. Dans la vie quotidienne, on est pareil. C'est-à-dire que c'est ça. On va parler d'un sujet. 20 secondes après, on va dériver sur la politique du sujet parce que c'est comme ça. Quand on devient un être politique, après, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ouais. Alors, on le voit tous sous ce prisme-là. Précisément, dans certains bouquins précédents, tu avais cité la théorie du civisme de Philippe Landeux, qu'on on salue. Je l'ai invité dans l'émission il y a quelques temps. Vous pouvez trouver l'émission. Alors là, tu franchis un peu un palier parce que tu le mentionnes et à la fin, le personnage de Fabien de. Comment il s'appelle de Guise. Parce qu'en fait, ça vient des ducs de Guise, des ducs de Lorraine. Voilà. Fabien de Guise. On remet une couche et dit que le civisme est un horizon pour la politique française. Alors, en peu de mots, le civisme, c'est quoi ? C'est l'idée que la monnaie est supprimée, l'argent est supprimé, plus exactement. Et en fait, via une espèce de carte citoyen... ça, c'est un artifice. Hein. Oui, bon, c'est pour que les gens se fassent l'image en tête. En gros, à partir du moment où vous avez un rôle dans la société, vous avez un accès au marché... potentiellement illimité, c'est-à-dire limité par les seules limites de la production. De la production, voilà, il y a besoin d'avoir 5 voitures. Et donc, en fait, le personnage, au départ, il est un petit peu ambigu par rapport à cette question. Finalement, il se dit, mais c'est ça l'horizon, puisque de toute façon, l'horizon, c'est la disparition de l'argent de la carte à puce. Alors pourquoi ? Parce que c'est pas un horizon politique, on va dire, au niveau militantisme. Oui. Mais dans la société, c'est le plus juste. Oui. Voilà. Oui, c'est l'égalité. Bien sûr, c'est ça l'égalité. Et c'est comme ça que Philippe Landeux la résume. Hein. L'égalité, c'est l'égalité à l'accès au marché. Parce que si on dit c'est l'égalité de salaire, et le salaire, ça... Enfin, normalement, les gens doivent bien se rendre compte que autant de la production artisanale, on produit quelque chose, ça a une certaine valeur, parce que ça a demandé un temps de production, et des ressources, etc., qui ont coûté tant, et donc le produit fini coûte tant.
Oui. Mais dans la production industrielle, ça n'a plus de sens. Parce que tu produis en série, et plus tu produis, moins c'est cher à l'unité. Oui. Ou alors tu produis des trucs tout à fait virtuels. Il y a des types. Moi, j'avais commencé à faire ça quand j'étais étudiant en informatique. Tu commences à programmer des jeux vidéo où les mecs vont acheter des trucs dans le jeu vidéo. Ah tu vois, oui, oui. Toute l'époque des Halo Pass, avec ton SMS où tu envoyais, tu payais avec ton forfait directement un objet ou un bonus virtuel dans un jeu vidéo. Le mec était prêt à et ça rapportait des fortunes. Ah oui, mais à ce point. Non, pas à moi, mais à... qu'on n'a pas été au bout du projet, non, j'avais commencé un truc, mais parce qu'on arrivait trop tard. Mais tu vois, à fin des années 90, ça marchait super bien. En tout cas, tu adhères au principe du civisme, c'est quelque chose. Bien sûr, oui, personnellement. Oui. D'accord, ok. Mon héros le fait par. Disons que si à la fin il a le. Où il fait un programme politique, où il a le loisir de changer la société, oui, il va le mettre en place. Je vous mettrai des liens pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, vous inquiétez pas, je vous mettrai des liens. Donc si t'as l'occasion de le faire, oui, tu le fais. Ouais. Parce que c'est juste. Et parce que ça demande pas. D'ailleurs, c'est pas plus cher, quoi. Au contraire, c'est moins cher parce que le fait de. Tu sais que t'es pas limité. Parce qu'en fait, tous les problèmes viennent de l'argent. Donc tu sais que t'es pas limité pour faire un produit qui va durer plus longtemps. Tu vois, au lieu d'acheter 5 machines à laver, mettons, tu vas en acheter qu'une, elle sera de meilleure qualité. Oui, je comprends le principe. Donc au final, tu vas produire moins. Finalement, on a l'impression qu'on a accès à tout, qu'on va faire n'importe quoi, mais en fait, non, ça reste une manière de faire de la décroissance naturelle. Là, on dirige un autre sujet, parce que c'est plutôt le sujet de Philippe, mais l'argument principal que vont donner les gens, c'est pourquoi quelqu'un chercherait à être médecin s'il a l'égal, s'il a le même accès au marché en étant boueur. Oui, bon, moi, toute ma famille est médecin, donc je connais un peu le sujet. C'est parce que c'est des gens qui aiment leur prochain, qui veulent faire le bien à la société, et ça leur procure un grand plaisir de soigner les gens. Parce que tu te dis, à la fin de la journée, tu te dis, si tu es aux urgences ou si tu es dans d'autres structures, tu te dis, j'ai soigné tant de personnes ou j'ai guéri tant de personnes. Oui. Ou j'ai aidé tant de personnes. Parce qu'en plus, à la campagne, le médecin, tu sais, il sert aussi de psychologue, il sert de tout. Hein. Je parle du généraliste. Oui, bien sûr, c'est le médecin de famille. Voilà, c'est un métier extraordinaire en termes de relations humaines. D'ailleurs, tu regardes dans tous les villages, évidemment, maintenant avec la ville, c'est différent. Mais le premier notable d'un village français, c'est le médecin. Et après, c'était l'instituteur. Et puis, c'était le curé aussi. Tu vois, c'était trois. T'en as un qui soigne le corps, un qui soigne l'âme et un qui enseigne. Et voilà, c'était le triptyque, tu vois, du village français. Alors évidemment, maintenant, en ville, c'est quoi? C'est l'avocat, le grand commerçant de la ville, et puis le maire, quoi. Tu vois. D'ailleurs, là, on retrouve un peu l'opposition entre le maire et le curé qu'il y a dans nos camions, par exemple. On parlait de nos camions tout à l'heure. On en parlait, oui. Bon. Mais le médecin, c'est le premier notable. Oui. D'ailleurs, si un jour, il y a la révolution en France où tu prends la gendarmerie, par exemple. Je crois que dans un livre de Rodolphe Crevel, c'était le cas. Les mecs, ils vont se diriger vers qui? Vers le médecin. Ouais. Parce que si le médecin est avec eux, les gendarmes qui travaillent avec lui, hein, parce que quand il y a une garde à vue, c'est le médecin qui va voir et tout. Hein. Mm-hmm. Ils se connaissent très bien. Et puis de l'aide. Tu vois, il y a un accident, le médecin qui va voir. Hein. Et puis la population, ils vont tous obéir au médecin. D'ailleurs, dans la série française, justement, qui se passe sous l'occupation, le village français, celui qui devient maire quand le maire se barre ou est tué, c'est le médecin. Donc, oui, alors... À propos de campagne, un deuxième point important qui revient assez souvent dans le roman, c'est l'idée de réinvestir les campagnes. Parce que moi, je suis un paysan. De revenir à une vie rurale. Au-delà du souhait qu'on peut avoir, c'est-à-dire que effectivement, c'est la vie à la française, celle qu'on l'imagine dans ce qu'elle pouvait avoir de magnifique autrefois. Est-ce que tu penses est-ce que c'est crédible? Est-ce que tu vois un retour de ça chez les gens? Je vois un retour de ça chez les gens. Ouais. Ils ont envie de le faire, évidemment. Au-delà du folklore, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'y habiter, de nourrir la terre, d'y habiter, tu sais, c'est-à-dire qu'on habite là où on se crée son environnement. Oui. Et ils ont envie de ça. D'accord. Par exemple, ils vont se refaire un petit jardin. De plus en plus, les gens se refont, tu vois, avec tous les livres. Mais t'imagines les livres de permaculture. Maintenant, on entend parler de ça tout le temps. Moi, j'évolue dans un milieu plutôt d'ingénieurs, des gens qui sont dans la technique. Mais qui n'ont pas tellement le temps de cultiver un potager, parce que tu vois, c'est... Oui. Et puis qui ne vivent pas à la campagne, ils vivent à la banlieue de la ville. Même si c'est une banlieue un peu rurale, ça reste aux portes de la métropole. Et bah pourtant, ils veulent tous avoir ce petit potager. Et tu crois que le monde rural peut lutter contre cette avancée de la technologie galopante? Alors lutter, c'est pour ça qu'idéalement je présente des figures de lutte, alors la lutte radicale à la Kaczynski, tu vois. Donc, Kaczynski, il était surnommé Una Bomber, hein, tu vois. Bon. Il y en a eu d'autres, hein, des penseurs de la décroissance. Je cite notamment le grand écrivain français,
d'ailleurs qui est bourguignon, mmh. et qui est très peu connu, mais que j'encourage à lire, ses textes sont magnifiques. Mmh. Le mec est jardinier, il veut même pas qu'on dise d'ailleurs, dans son village, personne le connaît, quoi. D'accord. Et il s'appelle, et voilà que j'oublie son nom. Jacques, c'est pas lui? Jacques Ellul? Non, ah non, Jacques Ellul, c'est pas lui. Non, lui, c'est un grand penseur qui est très connu, mais lui est très peu connu. Baudouane Bodina. D'accord. Baudouane Bodina, ses textes sont magnifiques. D'accord. Évidemment, anti-moderne, un niveau métaphysique, quoi. D'accord. Et le mec est jardinier, et il connaît très bien les... Enfin, il s'est fait jardinier, quoi. Il est jardinier, mais à la fin de sa carrière, quoi. Il a pas toujours été ça, mais... Mmh. C'est un gars qui a une plume remarquable, une intelligence extraordinaire, et qui a opéré lui-même son retour à la Terre, quoi. Ouais. Il connaît très bien ce qu'on appelle les forces telluriques, les forces de la Terre, etc. Ça va plaire à pas mal de gens qui vous suivent, ça, c'est sûr. Baudouane Bodina. D'accord. Alors, écoute, je pense que j'ai fait un tour assez complet. Sur les sujets abordés. On parlait du transhumanisme aussi. Ah oui, exactement. Ah, tu fais bien de me le rappeler. Parce que c'est également abordé dans le bouquin. Alors, tu n'en parles pas beaucoup, mais on sent que ça t'affecte quand même, quoi. Oui. Alors, on rappelle aux gens, le transhumanisme, c'est l'idée que dans quelques années, il serait possible pour l'homme de se mélanger en quelque sorte à la machine pour donner un homme nouveau qui serait mi-homme, mi-machine. Alors, sans aller jusqu'à la caricature. Oui. Oubliez ce que vous avez vu. L'horreur à la Geiger, tu vois. Oubliez Terminator, etc. Mais enfin, quand même, il y a de ça dans l'esprit, c'est-à-dire. Bien sûr. Tout à fait. Alors toi, tu es assez inquiet de. Enfin, que penses-tu de cela, en fait? Moi, justement, je me positionnais contre d'un point de vue naturel, mm-hmm. en disant, ça va contre la nature, donc c'est mal. Voilà, bon, c'est un point de vue assez simple et assez radical en même temps. Ouais. Mais je pense qu'il y a déjà tellement de déséquilibre. Alors attention, dans la société actuelle, que là ça rajoute encore plus des équipes. 200 arguments contre, genre un pacemaker c'est contre la nature, mais ça permet de sauver une vie, justement, c'est la question, jusqu'où on va. Ouais. Moi j'ai des collègues qui me disent presque tous les jours, j'ai vu un scientifique à la télé, on va vivre 1000 ans. Et si c'est pas moi, ce sera mon enfant. Il va vivre 1000 ans. Ça je dois dire que... Alors 1000 ans c'est peut-être exagéré, mais tu sais que le corps humain, physiquement... Il est fait pour durer entre 100 et 120 ans. Quoi. Mmh, exactement. Voilà. Pas plus. J'imagine toi, ta femme est médecin aussi. Mais, c'est pareil. Exactement. Vu que toi, t'as une famille de médecins, j'imagine que quand toi, si tu leur parles de vie éternelle, ils vont rigoler. Oui. Moi, je sais que ma nana. En tout cas, ils savent que c'est artificiel. Je leur parle de mes amis transhumanistes à ma nana et je leur dis, tu sais, ils pensent qu'on pourra vivre 300 ans. Elle éclate de rire. Elle me dit, tu sais, en fait, en 500 avant Jésus-Christ, on vivait encore jusqu'à 90 ans. Ah, et aujourd'hui, c'est encore le max. 80 ans, quoi. Oui, voilà. Non, même t'as des empereurs romains qui sont morts à 89 ans, ou même des fois 100 ans. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Le centenaire, c'est bien. On ne bouge pas. Tu vois, dans une vie, même si t'as une vie difficile, tu vois, la génération de nos grands-parents qui sont nés à la fin des années 20 ou jusque dans les années 30. Oui. Pour la génération, je parle des années 80, qui sont nés dans les 80. Ils ont eu une vie difficile. Ils ont connu quand même une guerre mondiale. Une occupation étrangère, et puis après d'autres guerres à l'étranger, des périodes de colonisation, et puis la modernité, avec tout ce que ça induit comme changement profond en termes de réseau, ne serait-ce que d'ondes électromagnétiques, en termes de... l'alimentation a profondément changé en 60 ans, enfin, ils ont connu des changements extraordinaires, tu vois, à l'époque où personne n'avait de voiture, où tout le monde se déplace en avion quotidiennement, tu vois, ils ont vu vraiment une mutation du monde comme personne, la génération de nos grands-parents. Mais ils vivent jusqu'à 90 ans, cette génération-là. C'est ça gêne pas, tu vois, c'est sûr, normal. Bien sûr. Il y en a qui meurent avant, il y a des cancers, des accidents. Ça arrive. Tu vois, des accidents. Mais globalement, ils peuvent encore le faire. Mais au-delà, ça devient non naturel. Ne vous inquiétez pas, les enfants, la vie est bien faite, et en général, à 90 ans, on en a un peu plein le cul. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a tout vu. C'est moins grave de. Et puis, de toute façon, il y a des maladies, tu vois, des maladies de dégénérescence sur la mémoire, tu vois, on parle d'Alzheimer, etc., qui font que c'est pas ouf, t'as des douleurs, t'as de l'arthrose. Mais même toi, t'as pas ça dans ta famille. Moi, je vois que les gens que je connais autour de moi qui arrivent à 70 ans, il y a de lassitude. Il y a de lassitude. T'as tout vu, t'as après, tout connu. Il y a une envie de transmettre. Ils ne vivent plus que leurs petits-enfants. C'est un sens d'être grands-parents. Voir leurs arrière-petits-enfants, s'il y en a. Et c'est complètement tragique, je banalise pas du tout la mort. Si on m'annonçait que je devais mourir demain, je serais anéanti, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie, etc. Ah oui, mais moi... Non, mais voilà, c'est moi, je pense à la mort dans l'autre sens, c'est-à-dire celle de ses proches. Ah oui, c'est la sienne, j'en ai rien à foutre. Alors tu sais que tu vas laisser une veuve ou tu sais que tu vas laisser éventuellement des enfants. T'as pas rien à foutre, Jean-Yves, si tu meurs demain, t'as plein de projets, arrête. Il y a des projets, on s'ennuie pas. Les mecs qui disent qu'ils s'ennuient, je leur foutrais des claques. Quoi. C'est pas normal de s'ennuyer, réveillez-vous. Mais c'est plus les autres, on a peur de voir mourir les autres parce qu'on
la creuse du chagrin, c'est on est privé des gens qu'on aime. Bien sûr. Et surtout quand ils partent, on va dire avant l'âge. Quoi. Oui, oui, il y a ça aussi, tout à fait. Mais c'est pour ça que si, tu vois, le jour où mon grand-père mourra, c'est naturel, quelque part, ce sera normal. Bien sûr, je serais triste, évidemment, très triste, je lui rends hommage, mais c'est dans la nature des choses. Bien sûr. Ouais. Alors, maintenant qu'on a abordé un peu le... On n'est pas des robots, quoi. Oui, c'est clair. Je sais que j'ai des très bons amis transhumanistes, hein, ils se reconnaîtront, mais nous, on ne mange pas de ce pain-là. Alors, puisque tu as écrit un roman où tu te livres quand même à... un peu plus qu'à l'accoutumée, je vais te... Madame Bovary, c'est moi, disait Flaubert. Exactement. Tu vas passer sous le test du questionnaire Conversano et questionnaire Pivot. Il y a le questionnaire Conversano, ma foi, pourquoi pas. Début de tes émissions, il y avait ça. C'est vrai, mais je le mets quand il y a des invités qui sont plutôt dans une logique artistique. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, on n'avait pas le temps de le faire dans la première. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Oui. En fait, j'ai tendance à le faire avec des gens un peu plus âgés en théorie, mais vu comme tu es quelqu'un de mature qui a écrit, qui est écrivain, donc déjà c'est j'écris 20. Exactement. Sur les étiquettes. D'ailleurs, est-ce qu'on ne goûterait pas ce petit truc avant de commencer le questionnaire? Je souhaite que tu me fasses goûter ça. Ah, alors on va goûter la Mirabelle. Voilà. Alors la Mirabelle, c'est Chantal. Sinon, je. Non, normalement, il faut manger avant, c'est le digestif. Oui. Mais il y a certains fous qui le prennent en apéritif. Ça va bien se passer. Hein, on est des fous. On est des fous. Donc la Mirabelle, donc c'est un petit fruit qui pousse en Lorraine, alors un peu à la périphérie, en Haute-Marne ça pousse aussi, enfin bon, c'est dans un endroit. D'accord. Donc c'est de l'eau de vie. Donc là c'est mon grand-père qui l'a faite, 1985, mon année de naissance, c'est pas un hasard. C'est incroyable, ça a 32 ans ce cas, t'imagines. Et donc, alors à la base elle a 54 degrés, là comme elle a un peu plus de 30 ans, elle est à 52 à peu près je pense. D'accord. Mais ça reste beaucoup. Ça va bien se passer. Ça reste beaucoup. Alors... Pendant que tu... Donc une petite goutte, hein. On dit c'est de la goutte. Ah oui, c'est vraiment pour goutte. Avoir le goût, voilà. C'est précieux. Et tu verras que justement, le fait qu'elle soit âgée, je la sentir, ça lui permet de ne pas te brûler la gorge, ouais. Mais elle garde le goût du fruit. Ouais. Et en plus, alors après tous les gens, donc là, il faut être spécialiste, mais vous pouvez me faire confiance, les spécialistes qui l'ont goûté, donc ceux qui ont l'habitude de ce genre d'alcool, vraiment l'adorent celle-ci, parce D'accord. que mon grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère l'alcool à la tarte. Ça veut dire que généralement, quand on le évidemment, il y a la façon de la faire, mais il y a aussi la sélection des fruits avec lesquels tu le fais. Et quand tu prends les plus mauvais fruits, en te disant les bonnes mirabelles, je les garde pour faire la tarte, bien la confiture, et puis les mauvaises, je les mets de côté pour faire la goutte. Eh bien, tu vas avoir une goutte qui est de mauvaise qualité. Mais lui, il a fait le contraire. Il a sélectionné les meilleurs fruits pour faire sa goutte. Donc, la stratégie. Oui. Voilà. C'est toute une science, le vin en France. C'est ça. Alors, c'est pas du vin, hein, attention. Hein, oui, le jeu à l'alcool. Mais l'alcool. Le principe du questionnaire Conversano est très simple. Je te pose 9 questions qui vont permettre aux gens qui ne te connaissent pas d'en savoir mieux sur toi. D'en savoir plus sur toi, excuse-moi, c'est l'alcool qui commence. Alors, il faut répondre du tac au tac, quoi. Faut pas réfléchir au tac au tac, je dirais pas, mais en tout cas, essaye de donner des réponses courtes qui vont à l'essentiel de ce que tu ressens. Voilà, d'accord. C'est. Un principe de psychologie en général, la première réponse est la bonne. D'accord. Quel est ton premier souvenir d'enfance, Jean-Yves? Mon premier souvenir d'enfance, je crois que je suis... C'est dur, moi je ne saurais pas répondre. Non, c'est pas évident. Je crois que je suis dans le salon, je dois avoir 3 ans. Et on en avait un grand jardin, on habitait à la campagne, avec une voie ferrée qui passe juste derrière, et je vois passer un train. Voilà, je crois que c'est... Cette image un peu te revient. Et donc je me réveille sur le canapé, j'ai une petite sieste, hein, comme les enfants. Et alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est un souvenir qui est faux, tu vois, qui est dans ma tête mais qui n'est pas un vrai souvenir. C'est possible. Et j'étais au-dessus du canapé. Alors c'était un canapé un peu plus large que ça, mais j'étais au fait au-dessus. Ouais. Je dormais au-dessus. Alors comme c'était plus haut, ça aurait pu être dangereux si j'étais tombé de l'autre côté, je sais pas. Sauf que derrière il y a un radiateur, donc si tu casses la tête sur le radiateur, un enfant de 3 ans, il peut fendre le crâne. Mais dans mon souvenir, j'étais au-dessus. Et voilà, et puis je me réveille, il y a un train qui passe derrière. Voilà. Ah bah voilà, c'est un joli premier souvenir. Voilà. Même s'il imaginait. Alors aujourd'hui les trains ne passent plus. Les seuls trains qui continuent de passer, c'est des machines. Oui. En fait, qui. Je sais pas ce qu'elles font, mais qui trafiquent les voies, quoi. Mais qui sont des machines qui sont utilisées pour l'entretien et la maintenance de la ligne. Oui. Ou peut-être qui utilisent la ligne pour aller faire de la maintenance sur d'autres lignes avec un.
voilà, qui prennent un autre aiguillage derrière. Mmh. Mais en tout cas, la ligne là n'est plus tellement utilisée. Mmh. Alors qu'avant, il y avait des horaires fixes de train. Mais de manière générale, on a un réseau ferré immense en France et on l'a laissé à l'abandon. Ah je, oui, ça c'est je m'insurge contre ça. Il y a des cartes, hein, qui, vous pouvez consulter des cartes qui montrent à quel point on utilise beaucoup moins de... Il y a plein de gares qui ne sont plus desservies du tout. Oui. Alors il reste la gare. Ouais, c'est terrible. Et c'est des infrastructures extraordinaires. Ah ouais, ne serait-ce que pour le fret. Ouais. Tu vois les embouteillages et la pollution et les dangers en termes de, tu vois, de risque mortel avec les camions. Camion beaucoup plus souvent si c'était plus bon marché. Alors le problème, ça permettait c'est d'aller. C'est très cher. Ouais. C'est très cher. Et mais moi, alors, si on parle de la Lorraine, un trajet pour ceux qui connaissent tout con entre tous les Nancy, ou entre Lunéville et Nancy, de l'autre côté, quoi, côté ouest ou côté est, hein, parce que Nancy est au milieu. Ce qui était au début des années 2000 à 3 euros avec souvent les petites gares qui étaient desservies au milieu, et ben là maintenant c'est des trajets directs. Donc les petites gares ne sont plus desservies, ou alors une fois sur 3, alors qu'avant c'était systématiquement, et le billet a doublé, donc on est passé en gros de 3 à 6 euros en 10 ans. Et les trains de nuit ça n'existe quasiment plus. Et les trains de nuit, c'était monnaie courante. À l'époque on allait au ski en train de nuit. Oui. Voilà. Ça existe encore, mais il y en a quasiment moins. Plus. Il y en a plus. Enfin, en tout cas, le trajet que je faisais, tu vois, entre Nancy et Annecy ou Saint-Gervais, n'existe plus. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais enfant ou adolescent? Métier ou rêve, passion? Alors, il y avait plusieurs moments. Tu vas rigoler, il y en a une qui va te faire rire, notamment. Ah, tiens. À un moment donné, au début, quand j'ai commencé à lire, on avait une machine à écrire à la maison. Tu vois, j'écris depuis longtemps en fait. Et on avait une machine à écrire, il n'y a pas d'ordinateur, une machine à écrire. Donc j'écrivais des petites histoires, des histoires de pirates ou des histoires de médiéval fantastique déjà. Tu vois, voilà. Donc je me disais, je vais écrire des petites histoires et plus qu'écrivain, je vais inventer des jeux. Donc des jeux de rôle, tu vois, à 8-9 ans, j'inventais des petits jeux de rôle. Ou alors des jeux de plateau, aussi. Des jeux de rôle. Voilà. Ouais. Et donc je me disais, après, au lieu d'être simplement inventeur, je vais être éditeur ou. On va dire inventeur et créateur et éditeur de jeux de société. Voilà. Oui. Tu voulais créer des univers, peut-être même dans jeux vidéo aussi. Hein. Alors dans jeux vidéo par la suite, parce qu'après il y a eu l'ordinateur. Ouais, quand j'étais au lycée, je faisais de la programmation. J'ai appris tout seul en fait la programmation quand j'étais au lycée, quand j'avais 14-15 ans, fin du collège, début du lycée. Ouais. Avec une vieille machine au début, puis après les logiciels, tu vois, les trucs de basique, voilà. Et donc je faisais des petits jeux. Voilà. Quel est l'endroit de France ou du monde où tu te sens le mieux? La Lorraine ou la Haute-Marne, parce que ça touche, tu vois, il y a la frontière vosgienne, mais c'est quasiment pareil. Et il y a un endroit plus précis, genre un monument, un endroit naturel, ou vraiment c'est la région elle-même que tu aimes bien? Ah, c'est la région elle-même. Tu me mets n'importe où dans le département, je suis content. Ah oui, on a la maison, c'est ça? Hein? Non, mais tu te sens la maison là-bas. C'est ça. Quelles sont les qualités que tu préfères? Mais moi, tu vois, moi là, je suis exilé dans le sud-ouest, une très belle, magnifique région, d'ailleurs. Ouais. Tu vois, c'est quand même très beau, dans un beau cadre. Mais ça vaut pas la Lorraine. Je me sens exilé, je me sens expatrié. C'est vrai. D'ailleurs, c'est cool parce que je suis français et tu vois, moi, je suis pas pour les indépendantismes régionaux. Non, mais attends, tu le ressens profondément. La Bretagne et la Lorraine vont pas s'en sortir toutes seules. L'endroit où tu es mais, a mais une importance considérable. Mais je me sens comme Lorrain. Aucun de mes deux parents n'est. Montagnard, né alpin, mais comme moi j'ai vécu toute ma jeunesse à Grenoble, ah bah voilà. Je souffre lorsque j'habite dans une ville où il n'y a pas de montagne. Et voilà. Il faut que je les vois, c'est important pour moi. C'est fou. Alors ici, quand il fait beau, tu peux apercevoir les Pyrénées là-bas. Ah oui ouais. Ah, je savais pas que d'ici on. Quand c'est dégagé, tu vois la crête. D'accord, mais tu restes à Lorrain. Ah oui. Alors, quelles sont les qualités que tu préfères chez une femme humaine? Je parle pas de physique. À chaque fois, je précise. Hein, parce que chez les extraterrestres, j'en ai pas connu. Exactement. Déjà, il y a ça, quoi. Non, mais des fois, les gens me disent est-ce que je préfère les fesses ou les seins? Je m'en fiche. Mais c'est une femme humaine, c'est ça qui me fait. Ah oui, oui. C'est l'alcool, on commence à dire des conneries. Montre les yeux. Voilà, voilà. Ça, c'est dans les cauchemars, c'est le cauchemar de Dino Buzzati, tu sais, t'as une espèce de gros insecte. Oui, oui, oui. Allez, bah, chine. Chine. C'est délicieux, en fait, j'ai déjà vu ce santon. Faut pas le dire. Quelles sont les qualités qui touchent chez une femme? Ah bah je suis marié maintenant, donc je recherche rien. Non mais chez ta femme, qu'est-ce que tu préfères chez ta femme humainement, je veux dire. Ah bah humainement, alors on va dire c'est pas forcément ce que recherche par des gens, mais moi c'est l'intelligence. C'est-à-dire quelqu'un d'intelligent qui peut suivre une discussion, qui a une profondeur philosophique. Voilà, tant pis pour les codes. Qui est instruit. J'arrive n'est pas fait pour moi. Voilà, de toute façon, c'est, dans tous les cas, ça change rien. Non, ok, non, voilà, c'est intéressant. Ce genre de.
D'accord, ok. Voilà, ce genre de... Disons que j'ai rajouté... Et puis avec un caractère... Mais généralement, le caractère va avec, parce que... On se laisse pas faire quand on est instruit. Bien sûr, plus on est instruit, moins on va se laisser faire. C'est normal, ça va de pair. Mais tu as raison de le préciser, parfois des gens, des hommes sagaces et profonds philosophes aiment les idiotes. Ça arrive, c'est un goût... Non, non, mais Baudelaire disait qu'il aimait, qu'il aimait les idiotes, par exemple. Phrase assez connue. Alors, une question que j'ai rajoutée, parce que c'est quand même très important. Quelle est ta définition de... C'est moi, c'est ça. Non, ce matin, je me suis dit, tiens, c'est la question que je la pose. D'accord. Quelle est ta définition de l'amitié? Je la poserai toujours maintenant à mes invités. Pour toi, c'est quoi l'amitié? Quelle est l'importance de ça pour toi? Bah là, l'amitié, c'est quelqu'un avec qui on se sent proche, même si on se connaît pas. Ou très peu. Oui. Et évidemment, avec le temps, l'amitié se cultive. Tu vas connaître la personne. Mmh. Mais au début, tu la connais pas. Et ça accroche tout de suite. Et moi, j'ai remarqué un truc, peut-être que je suis pas doué pour moi me faire des amis quand c'est moi qui vais. Ah, d'accord. Mais j'ai remarqué que j'avais enfin, que les gens me sélectionnaient bien. C'est-à-dire que, en fait, les meilleurs amis que j'ai, souvent, c'est eux qui sont venus vers moi. Pourquoi? T'es timide ou tu ressens pas les choses dans... Non, mais peut-être que je me suis trompé. Ah, d'accord. Et que eux, par contre, se trompent pas. C'est que je sais pas. Hein. Ouais, après, ouais. Non, après, j'ai aussi moi-même été vers des gens avec qui on est resté, toi, très amis, mais j'ai l'impression que. C'est personnel, hein, peut-être, je sais pas pourquoi. Il y a des ondes ou des fluides, on ne connaît pas, je sais pas. Peut-être un jour on découvrira. Mais c'est presque passif. Aujourd'hui, pour trouver, je vois, les gens se dirigent vers moi. Et moi, je reconnais tout de suite parce que, évidemment, t'as action-réaction. Quoi. Tu reconnais et tu valides en quelque sorte la demande, toi, la personne qui va vers toi. Et tu sais que tu vas rentrer en amitié. Mmh. Et c'est pas forcément nécessaire. Évidemment, c'est mieux d'avoir des objectifs communs au niveau politique, enfin pas professionnel, hein. Professionnel ça peut être n'importe quoi, mais au niveau politique d'avoir une vision commune, ça peut être humain, ça peut évidemment que ça facilite, mais c'est pas forcément nécessaire. D'accord. Tu peux avoir des gens avec qui t'as... même un gauchiste peut être un ami, hein. Moi je vous dis, c'est vrai que c'est important de pas lâcher sur le gauchisme, de pas dire c'est tous des connards, parce qu'ils peuvent évoluer de toute façon, les gens, tout le monde évolue. En tout cas, moi, gauchiste, c'est un bien grand mot, mais j'ai des amis qui ne sont pas de droite et qui ne sont pas politisés. Mais voilà, c'est très très bon d'ailleurs. Ne serait-ce que les gens pas politisés. Mais les gens pas politisés sont, comme il y a une hégémonie du gauchiste, les gens peu politisés sont hélas souvent gauchistes. Souvent, tu vois ce que je veux dire, même s'ils ne le font pas exprès. Mais ils sont faciles à retourner. Oui, tu oui, vois oui. Parce que comme il ne s'est pas ancré profondément, c'est superficiel. Oui, oui, oui. Le livre ou le film que tu emmènerais sur une île déserte. Attention, tu n'as qu'un choix. Ah, alors ça, tu n'as qu'un choix. Il n'y a qu'un seul livre. C'est un jeu de l'esprit, c'est comme ça. Dur à dire. Hein. Ouais, il y a des films. C'est pareil pour les disques. Ouais. Moi, je fais beaucoup de musique. Ça peut être un disque. On te demandait souvent les 5 disques que tu aimerais bien, etc. Moi, il y a des périodes. C'est des périodes. Je ne sais pas. Je vais répondre par l'expérience. Un film qu'une fois, j'ai regardé deux fois de suite. Ah. C'est rare. Hein. Je sais pas si ça t'arrive. C'est rare, c'est faux. Ça m'est jamais arrivé. Toi qui fais l'interview, mais tu peux répondre, c'est rare. Ça m'est jamais arrivé, je crois. Alors, une fois, je l'ai regardé en version française. Ouais. Et juste immédiatement après, je l'ai regardé en version russe. C'est un film anglo-saxon. Je l'ai regardé en version anglaise derrière. Et c'est Un poisson nommé Vanda. Donc en anglais. C'est très très drôle. Vanda. C'est très très drôle. C'est un film à la fois américano-britannique. Ouais, ouais, ouais. Donc, qui est fait par le cœur des Monty Python. Oui, oui, oui. Donc le cœur, en fait, c'est les Monty Python, John Cleese, etc. Plus, comment elle s'appelle, la fille? Jamie Lee Curtis, oui. qui est suivie et qui jouait dans les premiers Halloween. Bien sûr. Voilà, oui. qui est une très belle femme. Elle a disparu, mais elle était très bien. Hein. Voilà. Ouais. Ah, c'est... Donc ce film-là est... Tu viens de me rappeler l'existence de ce film. Et il passe très peu. Excellent. Oui, très, très, très drôle, drôle, très drôle. Alors, il me reste deux questions, Jean-Yves. Si tu avais une baguette magique, quelle est la première chose que tu changerais en France? Ah, je vais en prison si tu crois. Essaye de le formuler d'une manière à ce que... Écoute, je vais retomber sur les pattes avec ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, ouais. On vivrait dans une société, alors tac, hein, une baguette magique, hein, tu me dis, où le civisme est établi. Oui. Voilà. Donc le civisme, je rappelle, lisez Philippe Lan II. Oui, oui. Voilà, essaye de le définir en deux, trois phrases pour que les gens sachent de quoi on parle. Bon, on va peut-être répéter, mais c'est très simple. On considère que dans un mode de production industrielle, et ce qui est le cas aujourd'hui, pour la majorité des objets, de consommation courante ou pas, ou même pas courante, hein, une voiture, tu consommes pas une voiture tous les jours, mais bon, c'est fait à la chaîne, malgré tout, l'argent n'a plus de sens dans cette production. Mm-hmm. Parce que la série coûte moins cher si t'en fais plein que si tu fais à l'unité.
Donc tu peux mettre un prix, mais tu vas le fixer où? Bon, voilà. Oui. Ça n'a pas de sens tout ça. Et tous les problèmes économiques qu'on se pose n'ont pas de sens par rapport à la production dont on a besoin. On sait qu'on consomme trop par ailleurs. Parce qu'il y a de la surconsommation, parce qu'on jette, parce qu'il faut faire. Et on est dans le court terme. Mmh. Donc on part du principe qu'on va améliorer les choses en allant dans le long terme, dans le moyen ou long terme, et qu'on aura une égalité plus importante entre les gens, parce que le salaire. Bah, quelqu'un qui travaille 40 heures, quoi qu'il fasse, travaille, quoi. Mmh. Et donc, on va dire que quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé, c'est-à-dire qui répond à certaines conditions de la société, dans le civisme, on appelle ça qui est citoyen, tout simplement. Tu es reconnu citoyen parce que tu as travaillé ou tu travailles encore actuellement. Ça peut être aussi l'équivalent du salaire parental. Hein. Tu élèves tes enfants, c'est un travail. Si tu les élèves bien, la société n'aura pas à le faire. Et on aura moins besoin de la justice et de la police pour les éduquer à ta place, quoi. Et ce sera mieux pour tout le monde, parce qu'il n'y aura pas de victimes. Mmh. Donc voilà, on parle d'un rêve, hein, moi je sais. Ouais, non, mais c'est. Tu vois, tout le monde est bien. Un horizon politique, voilà, comme un autre. Hein, fantastique, quoi. Tu sais, c'est pas plus utopique que le gauchisme. Non, mais on est des gens gentils, je veux dire, on n'est pas des gens qui rêvent de haine, Moi, c'est juste que je me connais très mal en économie, mais mon sourire n'est pas du tout moqueur. Tu sais, c'est pas plus bête que de penser qu'on peut vivre avec 15 millions de musulmans. Hein. Tu sais, c'est pas. Non, mais c'est largement moins bête, je dirais. C'est largement moins bête. Tu me rassures. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, le fait de travailler donne l'accès au marché. Mmh. Et donc, tu vas dans un magasin, tu prends ce que tu veux. Mmh. Voilà. Et on ne sera pas à court de produits parce que ça ne coûtera pas plus cher de ne pas les acheter, puisque c'est comme les schtroumpfs, quoi. Il est vrai que si on prend l'exemple. Les schtroumpfs, ils se sont cassés la gueule dans le schtroumpf financier quand ils ont commencé à établir la monnaie. Hein. D'accord. Autrement, le gars qui a faim, il va chez le boulanger, il a fait ses baguettes le matin, t'as faim, t'en prends une, quoi, et puis c'est fini. Tu vas pas en manger 15 de toute façon, parce que tu pourras pas manger 15 baguettes, c'est pas possible. Exactement, Te réduis. Évidemment, si on parle de transhumanisme, peut-être que tu pourras ingurgiter 150 baguettes par jour. Mais si tu es un être humain normal, tu ne peux pas. L'exemple d'alimentation est très bon parce que c'est évidemment ce qu'on fait tous les jours, s'alimenter. C'est le principe de base, avoir un toit. À part quelques obèses mongolitos qui mourraient en fait de leur obésité. Je veux dire, personne n'achète plus que ce qu'il mange. Ah, bien sûr. Et surtout dans une période qui n'est pas une période de guerre, vous n'avez pas en manque. Par contre, évidemment, dans ce système-là, on va pas rentrer dans les détails, mais il est bien évident que pour les choses qui coûtent de l'argent à la production, comme des voitures, les gens n'auront pas le droit d'avoir 10 voitures. Mais c'est une évidence. Mais c'est même pas une question de droit, c'est une question de logique. Aujourd'hui, pourquoi ils ont des... Même tu changes souvent. Non, mais ça, par contre, je suis pas d'accord. Les gens sensés, il y en a. Moi, toi, d'autres gens... des gens pas censés, il y en a aussi. Mais il y a des gens pas censés, tu leur dis c'est limité, ils veulent 20 voitures. D'accord, mais il y a des gens, ils le font pour épater le voisin. Oui. Et là, comme le voisin pourra potentiellement avoir tout ce que t'as, il n'y a plus de raison de vouloir épater le voisin. Vrai, tu enlèves un critère quand même souvent. Après, je dis pas que ça limite à 100%, effectivement, t'as des fous. Mais peut-être les fous, ils seront peut-être traités hein, aujourd'hui. Philippe le résume ainsi, c'est l'idée que la croyance dans la valeur marchande n'est pas nécessaire pour échanger. Ça, c'est le paradigme. Voilà. Parce que lui critique aussi bien le troc que la monnaie. Mmh. Parce que le troc aussi, on peut dire, mais pourquoi on va échouer? Tu fais un étalonnage, mais après tout, c'est arbitraire. Pourquoi? En quoi deux patates valent trois fraises, bien sûr. Pourquoi? Tout à fait. Il n'y a pas de réponse. D'accord. Peut-être qu'il y a des mecs qui ont peut-être fait des savants calculs pour voir le nombre de gouttes de sueur que faisait le gars. Hein, parce qu'une patate, en plus, ça se ramasse. Mmh. Ta patate, elle pousse sous la terre. Moi, j'ai ramassé des patates, quoi. Mmh. Tu vas les chercher. Tu vois, ça pousse pas, tu les cueilles pas, quoi. Tu déterres et tu ramasses. Mais alors, tu sais est-ce que c'est plus de ramasser des patates que de ramasser des myrtilles pour faire de Au début de la colonisation, certaines tribus africaines échangeaient des diamants contre de l'alcool. Parce que j'avais jamais connu ça, par exemple. Bien sûr. Ouais, il y a aussi, évidemment, aujourd'hui, ce qui marche dans le commerce, c'est la nouveauté. Mmh. Il faut être à la mode en permanence. Mmh. Voilà. Alors, dernière question, pas des moindres. Si tu devais résumer la France en un mot, qu'est-ce que la France t'évoque? Tu as un mot, lequel te vient à l'esprit? Ça peut être une expression plutôt qu'une expression. Parce que c'est libre, hein. Mais on le dit souvent, mais c'est vrai. Ouais. C'est l'art de vivre. L'art de vivre. Moi, je vois parce que dans mon travail, et j'ai aussi été à l'étranger, et on côtoie des étrangers, mais aussi dans mon travail, je côtoie d'autres étrangers, notamment des Indiens, des Anglais, et ils n'ont pas l'art de vivre. Ah, ça, les Anglais, ils ne l'ont pas. Et pourquoi ils ne l'ont pas? C'est parce que. Ça a mis des siècles. On mange, c'est con, mais tu vois, on boit un truc, on fait attention à notre vaisselle. Oui. On va boire dans un verre, tu vois, le verre à pied pour le vin. Chaque verre. Le champagne, ça va être la coupe ou la flûte. Mmh. Moi, je préfère les coupes personnellement, mais peu importe. Mais tout est. Mmh.
tout est ordonné, tu vois, tu fais pas... Chaque chose a sa place, voilà. il y a une vraie diversité, et tu manges en famille, par exemple, à heure fixe et en famille. Aucun pays fait ça. Si vous êtes aux États-Unis, des mecs, mais ils mangent devant leur c'est PC, vrai, chacun dans leur chambre. Je peux pas te la mère et le père dans leur chambre, c'est rare qu'ils mangent ensemble. Tu vois, peut-être le dimanche midi, tu vois, après la messe, parce qu'ils vont à l'église, c'est pas, le presbytérien. Je sais pas si c'est spécifique à la France, il y a quand même quelques pays, par exemple. Ouais, en Italie, ils mangent pas aux mêmes heures. Parce que l'Italie, c'est la sœur jumelle de la France. Non, mais c'est très curieux, par exemple, l'Italie, ils mangent très tard l'été, parce qu'il fait chaud. Oui, donc ils font des dîners à 23h, ça n'a pas de sens. Tu t'adaptes, évidemment, mais les Espagnols aussi, tu vois, ici, on est pas mal dans d'autres pays comme les pays l'Est, ça n'a aucun sens, on mange n'importe quoi. C'est ça, n'importe quelle heure. C'est très drôle. Les anglo-saxons font pareil, ils mangent quand ils ont faim. Mais ils mangent mal. Mais en plus, ils mangent de la merde. Qu'est-ce qu'on mange mal en Angleterre? Tu vois, en Angleterre, le seul restaurant, moi j'ai été en Angleterre, d'ailleurs je salue mon pote de Newcastle, je lui dis, mais quand on va en Angleterre, quand est-ce qu'on mange bien? Quand on va au restaurant français. Exactement, ouais. Oui, alors ils ont des très beaux restos, même asiatiques ou autres. Dans une ville, le restaurant français, il faut y aller. Ouais, c'est ça. Ça coûte une blinde. Oui, oui. C'est pas pour rien que vous vous rappelez des fish and chips, hein. C'est parce que c'est la seule chose qu'ils ont, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Art de vivre. Bon, très bien. C'est l'art de vivre. Et c'est l'art de faire tout. Oui. L'art de faire tout. Tu fais ton petit jardin. Bon, les Anglais, ils font leur jardin aussi, tu me diras. Mais là, en France, tu fais ton potager. Oui, tu fais ta décoration intérieure. Enfin, c'est normal. Non, mais il y a un niveau d'artisanat qui est inimaginable en France. On peut même pas. Et voilà, on se rend pas compte. On baigne tellement dedans qu'on s'en rend même pas compte. Franchement, pour la gastronomie. Vous allez partout dans le monde, vous ne trouverez jamais mieux que la France. Même si vous n'êtes pas un fin gourmet, mais regardez la diversité Pérou, des parties. Je crois qu'il y a le Pérou où la gastronomie est assez haute. Ah, mais oui. C'est aussi parce que, tu sais, c'est les Andes, hein, c'est la montagne. Oui. Ils ont aussi des produits frais. Je ne connais pas, mais effectivement, vraiment, qu'on mange bien. Qui sont très très bons, qui sont très naturels, c'est très sain. Pour votre information, ça change aussi. La Bolivie est le seul pays qui a refusé le McDonald's. La Bolivie, bah tu vois, on n'est pas loin. Ah, hein, c'est magnifique parce que les gens, c'est pas qu'ils ont refusé les McDo, c'est que les McDo sont ouverts, les gens n'y sont pas allés. Ça marche pas, quoi. C'est fou, quoi. Pas, c'est fou. C'est bon, spécial dédicace aux Boliviens, aux expatriés français en Bolivie. Exactement, allez en Bolivie si vous savez pas où aller en vacances. Alors, pour résumer l'émission, nous avons parlé du bouquin de Jean-Yves Dufour qui est un roman L'Ombre au sommet. C'est édité chez Bibracte. Et donc, tu voulais dire quelque chose à propos de Bibracte? Voilà, donc c'est des éditeurs suisses. Oui. Donc, ça se passe en Suisse. Normalement, il y a une plus grande liberté d'expression là-bas. Ouais, ouais. Et puis, donc, Bibracte, alors eux le définissent comme le début de la fin de la migration des Helvètes, en fait, donc ce qui a fondé la Suisse. Mmh. Et puis, c'était aussi au moment de l'invasion de la Gaule par Jules César, c'était le. Donc. On va dire les combattants suisses qui étaient reconnus aussi, un peu comme les Belges, hein, des bons combattants. C'était un nom de donc c'est une bataille. Il y a eu une bataille de Bibracte. Ah d'accord, d'accord. Donc, qui opposait les légions romaines. Et donc oui, pour rester concret, non seulement donc il y a cette offre, si vous commandez le livre, vous recevrez la brochure L'Esprit gauchiste, également écrit par Jean-Yves Dufour. Voilà, L'Esprit gauchiste. Et vous nous en direz des nouvelles. Voilà. Voilà, donc il vient juste d'être terminé l'impression, donc vous avez l'exclusivité de l'information pour vivre l'Europe. Voilà. Écoute Jean-Yves, je te remercie pour tout. Voilà. Tu es un double palmé de Vive l'Europe. Maintenant, t'es passé deux fois. Qui sait si l'an prochain on te verra pas encore dans l'émission. Mais j'aurais rien à proposer de nouveau l'an prochain. Peut-être l'année suivante. Je pense 2019, un nouveau livre. D'accord. Mais j'ai encore beaucoup de lectures à faire avant de pouvoir proposer ce bouquin. Donc. Alors maintenant, les gens me demandent, avant de terminer, est-ce que par exemple, s'ils te posent des questions, tu es susceptible d'y répondre sur YouTube? YouTube, non. Ah non, tu réponds pas, toi? Non, je réponds YouTube, non. D'accord. D'ailleurs, je crois que j'ai des chaînes, une petite chaîne Dailymotion et une petite chaîne YouTube et une chaîne Dailymotion où j'ai mis plutôt les interventions radio, etc., que j'ai fait notamment sur Radio Courtoisie ou les conférences. Oui. Et les commentaires sont désactivés parce qu'on perd du temps à lire des conneries. D'accord. Donc, par contre, si vous voulez me contacter, c'est possible. Oui, alors, vas-y. J'ai mon mail. Oui. Donc, je l'écrirai, vas-y. Voilà, il est sur mon site, hein, Mais vous tapez Jean-Yves Dufour, vous allez trouver le site France VS Mondialisme et j'ai un Twitter aussi, mais si vous voulez me parler, les mails, vous demandez le mail jydufour@hotmail.fr. D'accord. Donc, très facile. Ouais. Déjà, ça fait un bel écrémage, parce que c'est vrai que les gens qui se prennent la tête à écrire un email. Je réponds à tout le monde. Pas beaucoup déjà. Alors, ça peut prendre quelques jours, mais je réponds à tout le monde. D'accord. Ouais. Bon. Enfin, sauf si c'est un message d'insulte, je réponds pas. Ah oui, tout à fait. Soyez respectueux, c'est une évidence. Je m'amuse pas c'est une évidence. À perdre du temps, tu vois. C'est sûr. Parce que j'ai pas beaucoup de temps à perdre, quoi. Donc, si quelqu'un se donne la peine d'écrire un message,
Même si je suis en désaccord, souvent les gens posent des questions parce que les gens aiment bien. Ils ont l'impression que t'es un dieu parce que t'écris un bouquin. Mmh. Alors, ouais, mais qu'est-ce que tu penses de la situation à Maïdan en Ukraine? Mais putain, mais le mec, j'y connais rien. Lisez Lucien Cerise, à la limite, mais moi, j'y connais rien. Ils sont très surpris quand on n'arrive pas à répondre à des questions, c'est très drôle. Parce que moi, quand je réponds à un truc, et je cite Adrien Abosit ou d'autres intellectuels de la mouvance font la même chose, c'est que s'ils répondent à la question, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils répondent. Ils répondent pas au hasard. Bien sûr. S'ils savent pas, ils vont dire je sais pas ou je me prononce pas parce que j'ai pas assez étudié le sujet. Donc vous pouvez essayer, hein. Si je sais, je sais. Si je sais d'accord. Pas, je vous dirai pas de conneries. Ou alors je vous dirai à prendre avec des pincettes mon intuition. Voilà. En tout cas, maintenant, les gens savent où te contacter. Voilà, mais ouais, pas de problème. Et sinon, j'ai un Facebook, donc le Facebook des ouvrages. Oui. Vous mettez ouvrage de Jean-Yves Dufour sur Facebook. Et vous avez vous pouvez aimer la page, voilà, ça fait des vues. Mm-hmm. Et puis sinon, mon profil perso. Alors après, quand vous voulez être ami avec moi sur Facebook, ça peut arriver, mais il faut vous présenter un minimum avant, parce que sinon je ne sais pas qui j'ai affaire. Bien sûr. Comme il y a beaucoup de trolls, je perds plus mon temps avec les trolls, quoi. Pareil, j'ai décidé d'arrêter. Donc oui, quelqu'un qui ne se présente pas, je supprime direct l'invitation. Oui, même si vous êtes gentil, pensez vous à vous envoyer un message avant et vous envoyer. Si c'est dans la rubrique autre, il ira le voir, mais voilà. Faites attention, décrivez-vous d'abord. Eh oui, bah, j'imagine que tu as le même problème. Tout le temps, ouais. Mais voilà, et puis en plus, les mecs, ils ont été remballés une fois, donc ils font un deuxième compte. Enfin, ça devient de la folie. Oui, bien sûr. Après, ils vont dire, oh, il a pas accepté ma demande. Ouais, c'est la folie. Parce que les réseaux sociaux, faites gaffe, ça rend fou. Oui, tout à fait. Faites attention. Merci à vous, merci de votre assiduité. Lisez. Voilà. Lisez des bouquins, lisez notamment celui de Jean-Yves. Ou un autre, mais lisez. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission qui, je pense, vous plaira beaucoup. À très bientôt. Merci à vous.